Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver en cette fin de journée, voilà, pour découvrir ensemble la conférence Apple, la WWDC 21. Alors, vous savez, Apple fait moult conférences chaque année. D'ailleurs, c'est assez intéressant de remarquer qu'on parle, alors on est sur une chaîne gaming essentiellement, hein, mais vous savez que les nouvelles technologies m'intéressent beaucoup. À titre personnel, je ne l'ai jamais caché, mais moi je suis plutôt sur l'écosystème Apple, iOS. Bon, j'ai pas changé mon téléphone depuis quelques temps maintenant, d'ailleurs en plus il est un petit peu cassé là, un petit peu abîmé, mais je vais attendre le prochain. Moi je suis pas à vouloir obligatoirement, systématiquement sauter sur la toute dernière version, dernier smartphone, etc. Sauf s'il y a des vraies nouveautés un petit peu sympathiques. Donc voilà, on va vivre ça. Mais avant toute chose, je me dois de vous le dire, on va être en mode très chill aujourd'hui dans ce live, puisque on va le regarder, mais alors de manière tout à fait transparente, hein, je vais vous le dire, on va le regarder sans les images. Oui, je sais, c'est un concept, mais plein de personnes parmi vous m'ont dit « Mais attention, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas te faire striker par Apple, etc. et tout. » Et effectivement, Apple est assez vénère sur ce genre de choses. C'est dommage, je trouve. On vit ensemble les différentes conférences, Xbox, PlayStation, Nintendo, etc. Il n'y a jamais eu de problème, mais avec Apple, on sait que ça peut être beaucoup plus compliqué. Mais je me suis dit, alors en vérité, j'ai déjà vu ça sur du football par exemple. Il y a l'équipe TV par exemple qui n'a pas les droits des matchs de foot, mais ils le font comme ça, en direct, on commente, etc. Et je me suis dit, moi à chaque fois je la regarde là, les différentes conférences Apple. Mais du coup je les regarde dans mon coin. Et je me suis dit, en fait ça pourrait être cool, je la regarde... Vous la regardez, etc. Vous vous mettez dans un coin et autres. Mais on est en même temps, et du coup, on peut chatter ensemble, on peut discuter. Vous pouvez interagir aussi hein, avec le hashtag JuLive sur Twitter. Voilà. Donc, ma foi, exactement. Voilà, on se met la vidéo à côté, sans le son, c'est pas grave. Voilà, et on suit tout ça. C'est complètement expérimental. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit, live... chill ce soir, hein. Vraiment à la cool, hein. Et c'est pour ça qu'on est dans cette ambiance-là. Attention aux attentes dans le chat, c'est une conférence centrée sur les développeurs, nous dit Nas. Alors tout à fait, néanmoins, la WWDC 21, généralement, c'est une conférence assez importante, majeure, puisqu'ils parlent des nouveautés d'iOS, de leurs nouveaux services, etc. Donc on va apprendre sûrement plein de choses sur iOS 15, sur macOS 15, sur... iPadOS, sur peut-être aussi WatchOS, etc. Il y a des grosses rumeurs quand même qui évoquent un nouveau MacBook Pro qui pourrait être dévoilé avec du 14 ou 16 pouces, etc. Donc ça pourrait être intéressant. Voilà. Donc on est complètement dans l'expérimental ensemble ce soir. Moi, j'aime bien essayer des nouvelles choses, histoire de kiffer ensemble. Puis à la fin, vous me direz, hein, est-ce que vous avez passé un bon moment ou pas bon. Tout à fait, c'est la conf d'inauguration de la WWDC, Luchtenberg. Sammy Barney, maintenant en mode high-tech, j'adore. Alors, c'est pas maintenant, en fait. Ça fait un bon bout de temps que sur la chaîne, il y a même des playlists high-tech. Attendez, je vais vous retrouver ça. Je me suis dit en plus que ce serait un bon moyen de commencer à chauffer un peu pour l'E3. Voilà, j'ai quasiment une centaine de vidéos high-tech sur la chaîne quand même, d'ores et déjà. On peut pas dire que ce soit pas, enfin que ce soit un sujet, oui, oh, ça n'arrive jamais sur la chaîne, loin de là. Alors attendez, est-ce que je peux faire ça? Oui, regardez. Les robots tueurs arrivent, pouvons-nous croire ce que l'on voit? Black Mirror devient réel en Chine, et c'est super flippant. Des robots marchent à Singapour, des deepfakes hallucinants, un turboréacteur révolutionnaire. On commence à vivre dans Matrix. Vous voyez, il y a plein de trucs que je vous avais proposé. iPhone 11, j'ai testé une expérience VR, et merci à XMaxterX qui devient Insider. Apple prépare un Netflix du jeu vidéo. Free qui dévoile la Freebox Delta, la télé 4K, HDR OLED.
Amazon Go. J'ai testé une expérience cinéma bluffante. Tout ça, c'est du high-tech. Orange tacle Free. Ces robots vont vous faire halluciner. Le CES 2019, l'intelligence artificielle. Yeti Project Stream de Google, quand c'était encore de la rumeur. Alors que c'est devenu Stadia. Night Gasperix, qui devient Insider. Bienvenue à toi, installe-toi confortablement. Projet Yeti, une console Google arrive, point d'interrogation. Et bah oui, en fait, enfin, c'était pas vraiment une console à proprement parler, mais un service de cloud gaming. Google I.O., le futur, les espoirs, les dangers. Voilà, plein de choses. Le CES 2018, Donald Trump va-t-il détruire Internet? Puisqu'il voulait passer des... Il y avait des choses, etc. Voilà, Nvidia RTX, Microsoft annonce le projet xCloud. Vous avez vu, c'est... J'ai testé le Samsung Galaxy Fold. Révolution ou déception. SpaceX, vol spatial historique. Bref, voilà, bah tiens, je vous mets la playlist. Comme ça, vous pouvez regarder. Mais moi, j'adore le high-tech, à titre personnel. Je veux dire, je trouve qu'en plus, c'est un univers, on est d'accord, assez connexe avec le monde du jeu vidéo. Donc, ça a beaucoup de sens de pouvoir en parler, de le traiter, etc. Dites-moi sur le chat, est-ce que vous aimez bien quand on parle un petit peu de nouvelles technologies, de high-tech sur la chaîne? N'hésitez pas à me le dire. Voilà, tranquillement. Kenesawa Yoshi, est-ce que j'ai des nouvelles de la Playdate? Oui, et on va en parler demain. Tout à fait. Il y a une conférence, d'ailleurs. On va peut-être la vivre ensemble sur la chaîne directement. The McEnroe, merci beaucoup à toi. Oui, oui, oui. Donc, évidemment, voilà, bah, vous êtes passionné de high-tech aussi. J'aime bien, nous dit Saro. En tant que dev, oui, évidemment, nous dit Thomas. Pokitos, oui, j'aime beaucoup. Je t'ai envoyé un mail pour la libre antenne, Carlo. Alors, Carolo, alors, je répondrai au maximum de personnes, mais ceux qui seront sélectionnés, évidemment. Et alors, pour celles et ceux qui posent la question, mais pourquoi faire une sélection? Mais parce que vous n'avez pas idée le nombre de mails. Là, déjà, effectivement, vous êtes plus de 500 à avoir envoyé des mails, là, en l'espace de quelques heures. Enfin, je veux dire, donc, on ne peut pas faire autrement. Enfin, c'est comme à la radio, quand vous appelez, vous passez pas forcément directement, parce qu'il y a tellement de gens. Donc, on est obligé. Voilà. Tony, j'espère qu'ils vont revoir iPad OS. Bah écoute, on va voir. En tout cas, ça pourrait faire partie des annonces de ce soir. Eladj, je kiffe le high-tech. Bah, moi aussi. Donc, alors, moi, à titre personnel, j'ai un PC, donc, avec une carte graphique RTX, etc. J'en ai vraiment besoin pour refaire mes montages, pour bah, streamer, etc. C'est le top. J'ai mon iPhone, parce que je trouve que l'écosystème iOS est celui qui, aujourd'hui, me plaît le plus, dans lequel je me sens le plus à l'aise, etc. Après, je confesse que j'ai pris mes habitudes aussi, et que du coup, à chaque fois que j'ai un Android, il y a plein de trucs que je comprends pas tout de suite, quoi, que je trouve pas super intuitif et tout. Je dis pas que c'est pas bien, je dis qu'effectivement, j'ai pas cette habitude-là de mode de fonctionnement, et surtout, pour mon métier, qui est aussi de pouvoir vous filmer, vous faire des photos, etc. Alors, surtout avant, quand je pouvais faire des vlogs et compagnie, eh ben, je trouve que la caméra de l'iPhone et le micro de l'iPhone, c'est vraiment le top. Voilà, quand je faisais mes vlogs, j'avais testé des téléphones Android, des téléphones iOS, des iPhones donc, et franchement, je trouvais que c'était vraiment sur iPhone que c'était le mieux. Et, à côté de ça, j'ai craqué, je me suis pris un petit MacBook Pro, parce que pareil, hein, quand on est en mobilité, etc., et un jour, ça va se rouvrir quand même, cette histoire. Quand je suis, par exemple, sur un salon, au TGS et compagnie, je fais les montages directement. Alors, mais en vrai, hein, la vérité, même dans la rue, surtout au Japon, hein, parce qu'au Japon, il n'y a pas de crainte de se faire voler son appareil, etc., mais dans le métro, parce que, vous savez, c'est tellement intense. Il faut pas perdre une minute. Et donc, bah, je fais mes petits montages comme ça, etc. Et donc, le Mac, bah, j'ai trouvé que c'est ce qui permettait d'avoir une bonne batterie et machin. Alors, évidemment, autant vous dire que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, hein, puisque d'ailleurs, c'est pour ça que je me permets même pas de streamer leur live, parce que je sais qu'il y a des problèmes potentiels. Donc, c'est pas du tout sponsor. Je vous dis ce que j'en pense. Je vous dis d'ailleurs que je trouve que Apple a plus de mal à innover ces dernières années. C'est un fait. Mais à la fois, j'ai envie de dire, il n'y a pas de technologie extraterrestre non plus, hein, donc tant qu'on n'est pas sur une nouvelle où les choses n'ont pas été un peu bouleversées, forcément,
c'est plus compliqué d'être révolutionnaire à chaque fois. Évidemment, c'est un fait. N'oubliez pas aussi, hein, vous avez le hashtag JuLive sur Twitter, vous pouvez m'envoyer des petits messages, me montrer un petit peu votre setup, me dire un peu, bah, vous avez quoi, vous, comme appareil? Vous avez un appareil iOS, iPhone, Android, un Samsung, un HTC, un Huawei, dites-moi, envoyez-moi une petite photo avec le hashtag JuLive, ça fera plaisir. Sams Delmondo 68, j'espère que Apple va nous montrer sa rumeur de console de jeu Apple, même pendant le 3, grosse innovation si Apple fait du gaming. Bah, en fait, tu sais, la vérité, c'est qu'Apple est un acteur du gaming. Ils font pas de jeux à proprement parler, mais avec Apple Arcade, etc., il y a plein de jeux. Et comme ils se prennent leur com de 30% à chaque fois, ça fait partie des acteurs dans l'industrie du jeu vidéo qui gagnent le plus d'argent avec le jeu vidéo. Voilà. Donc, à suivre. Au Philippos, toi, t'as un iPhone 12. Flavien, t'as un iPhone 12 Pro Max. Victor, un S20 Plus. Spain, un iPhone 10. L'iPhone 10, c'était vraiment une très très belle machine. Erc le nul, un 12 mini. Alors, moi, je me tâte à me reprendre. Dites-moi un peu, mais je me tâte à me reprendre un téléphone plus petit. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, les téléphones, ils sont quand même assez balèzes. Et moi, je prends pas les Max et machin, je trouve que c'est complètement ouf, c'est trop gros. Et moi, j'aime vraiment pouvoir tenir les choses bien dans les mains. Et là, aujourd'hui, par exemple, pour aller tout en haut, là, c'est pas si simple que ça. Et j'ai vu le mini, et je trouve qu'il est vraiment super sympa. Il est très léger, etc. Mais j'attends peut-être le suivant, voilà, qui t'a changé, autant que ce soit vraiment une nouvelle génération. 12 mini, c'est pas mal, très pratique, nous dit Etem. Bah, je suis super d'accord. Ouais, ouais, moi j'ai été plutôt séduit. Pour tout vous dire, en cadeau d'anniversaire, je l'ai offert à Carole. Et je trouve que c'est vraiment un super téléphone. Vortify qui nous dit « La batterie du mini est pas ouf en 5G ». Alors, j'imagine. Ça, par contre, ça, c'est sûr que plus le téléphone est petit, moins la batterie peut être conséquente. Ça et ça, ça, c'est un petit souci. J'en conviens. Thierry Vachez, la puce M1 est l'entrée de gamme. Les puces suivantes arrivent. Et bah, tout à fait. Et je pense que ça va être plutôt cool. Regardez sur Twitter avec le hashtag JuLive avec Julien pour la WWDC21 Apple Event. Et voici mon setup avec mon iPhone 12 Pro Max, bien sûr, Apple TV, HomePod, iPad Pro M1. La folie Apple, je suis fan. Quelle classe. C'est... Attends. C'est les nouveaux Mac, ça, ou pas? Il me semble que oui, hein. Mais tu l'as pas nommé dans... Parce que les nouveaux Mac, je trouve que leur coloris et tout, leur design est quand même très, très, très classe. Vraiment. Ça, je confesse qu'en termes de design, là, je trouve qu'ils ont tapé très fort. Alors attendez, parce qu'on peut pas estimer leur truc. Ok, d'accord, moi je veux bien. Mais on peut quand même regarder des choses, non? Hein? Apple, tu permets deux secondes? Voilà. Moi, ces iMac, je les trouve trop beaux. Vraiment magnifique. J'ai pas encore craqué, mais j'avoue, je me tâte. En rouge, là, comme ça, magnifique. Alors, je vous jure que... Alors, c'est ça qui est dingue, c'est quand on fait une émission comme ça, je peux en convenir, hein. Certaines personnes qui vont dire « Attends, mais voilà, non, mais c'est du sponsor !» Bah, c'est pas du tout sponsor, genre 0 seconde. Non, mais j'aime bien ce qu'ils font, quoi, tu vois. Ouais, les couleurs sont superbes, ouais, franchement... Mamba qui dit « Trop cher pour ce que c'est, je trouve. » Bah, objectivement, pas si cher que... Enfin, cher, oui, bien sûr. Mais c'est une bête de course, hein. Et le prix n'est pas si délirant que ça. Beaucoup de personnes imaginaient que ce soit beaucoup, beaucoup plus cher. Alors après, je confesse qu'aujourd'hui, je travaille sur PC. Et en mobilité sur Mac. Mais en stable dans le studio et tout, je suis sur PC. Et je me demande si je ferai la bascule ou pas. C'est une grande question que j'ai aujourd'hui. J'utilise pas OBS. Et le logiciel que j'utilise, il est pas sur Mac. Et ça, c'est fou, quoi. Ça, c'est complètement dingue. Donc, bah, à suivre. On va voir. On va voir si je passe ou pas. Si je craque ou pas. Bah, écoute, on verra. Stan qui est posé devant la WWDC 21 avec Julien, ça fait plaisir, bah tu te prends le petit McDo qui fait plaise. Attention, hein, pas toujours, hein, attention, hein, quand même, pas tout le temps, parce que sinon
Ça fait longtemps que je me suis pas fait de McDo. Jérémy de Benedictis, en plein jeu live pour la conf Apple. Maël, oui, je l'ai pas nommé, mais c'est effectivement le nouvel iMac suffisant pour mes besoins en tant qu'étudiant. Clairement. Bah écoute, savoure, fais-toi plaisir. Flo, bientôt le 3, car au jus, je suis chaud bouillant. Bise, mon poteau et la commu. Et bah, bise à toi. Attendez, je réalise un truc. Boum. Voilà, quand même. Attendez. Bah oui. Je remets le petit logo, car on est à J-3 quand même. Faut pas l'oublier. J-3 avant le début de l'E3 car au jus. Ça m'a l'air d'être si imminent, si proche. Et il y a encore beaucoup de choses à préparer, croyez-moi, avec Carole, on turbine, etc. D'autant que, vous avez vu aussi, hein, je vous ai mis un petit tweet, un petit message. Alors attendez, je vais vous le retrouver, je vais vous le montrer. Mais ça y est, je peux vous dire officiellement, enfin, vous savez, c'est toutes les histoires de NDA et compagnie. Hop là, regardez. En fait, ça fait des jours que je joue à Ratchet & Clank Rift Apart. Je l'ai fini d'ailleurs, sur PS5, et je vais pouvoir vous en parler dès demain, mardi, voilà. Soyez vigilants, ça va tomber, et comme d'habitude, bah dans mes tests, les forces et les faiblesses, évidemment. Est-ce que tout sera parfait? Est-ce que tout sera nul? Est-ce qu'il y aura de la nuance à apporter? Objectivement, je veux dire, même un jeu culte doit toujours avoir des petits aspects peut-être à améliorer, etc. Et c'est ce que j'essaye toujours de faire, voilà. Où est Carole? Bah Carole est en train de chercher bébé à la crèche. Puisque, oui, on peut pas tout faire, voilà. Mais Carole sera évidemment là. On a mis un dispositif familial spécial pour bébé et le 3 carreau jus, évidemment. Pour qu'on puisse vraiment se concentrer. Vous vous doutez bien qu'on veut que tout soit au top pour bébé. Mais aussi pour la couverture de ce carreau jus. Voilà, et alors, quand c'est pas l'E3, on slalome comme ça entre Carole et moi, on alterne, mais là, l'E3, on sera en carreau jus, et donc Carole et moi, on sera en même temps, tous ensemble. Samy, l'iMac est classe, mais souci des Mac pour le gaming, notamment pour World of Warcraft pour moi, gros souci des Mac face au PC, je trouve. C'est vrai, tout à fait. Complètement d'accord avec toi. Ça reste encore un aspect où les Mac sont clairement à la traîne par rapport au PC. Black Gamer qui dit « J'espère que cette année, Apple vont changer de design des icônes, pas que le design actuel est assez vieux depuis iOS 7. » C'est vrai, hein, ça fait donc 8 ans. 6 ans, pardon. Et espérons qu'il faut rafraîchir le design comme sur Mac OS 11. Écoutez, ça c'est quasiment certain, ils vont parler de iOS 15, tout à l'heure. Donc on va pouvoir voir des choses. Voilà. Sam Del Mondo, depuis un an, je regarde votre chaîne et je trouve votre chaîne très belle. Merci beaucoup. Big up d'Alsace. Merci à toi, Sam Del Mondo. Alors, j'en profite pour... tiens, je peux disparaître, voilà, c'est ça qui est merveilleux avec un fond vert. J'en profite juste pour vous dire un petit truc à l'adresse des membres Insider et de celles et ceux qui deviennent membres Insider, hein, c'est le petit bouton rejoindre. Les Insiders, regardez, vous avez des nouvelles emojis, là on voit des emojis, etc. Eh bien, il y a des emojis carreau jus qui sont arrivés, rien que pour vous. Ouvrez en bas, dans le petit onglet, etc. Vous savez, vous pouvez mettre des smileys et compagnie. Eh bien, vous avez des emojis. 100%, bah voilà, comme au Philippos, et regardez, il y en a plein, il y a Epona qui est arrivé, il y a l'E3 carreau jus, le logo E3 carreau jus, il y a tous les petits personnages E3 carreau jus, etc. Voilà, Jérôme, il s'amuse avec Epona, voilà, Florentin avec plusieurs attitudes, voilà, plusieurs émotions qui permettent comme ça, eh bien, de vibrer tous ensemble. Vous savez quoi, je vais faire un truc, puis tout à l'heure, là, je suis assis, je vais me mettre debout, parce que je suis plus à l'aise, en fait, pour tout donner, je trouve que c'est mieux d'être debout. En tout cas, moi, ça me permet d'avoir plus d'énergie. Alors peut-être qu'à un moment, au fur et à mesure de la conf, je me mettrai assis. Mais pour l'instant, voilà, je me mets debout, c'est mieux. Ah, voilà, je suis bien là. Je trouve qu'on gagne en mobilité. Ça commence dans 9 minutes, tout à fait, les amis. Voilà, alors je rappelle à celles et ceux qui débarquent que... Apple est assez tatillon sur les restreams d'événements. C'est un peu dommage, je trouve. C'est un peu les seuls à faire ça, me semble. Et du coup, on va pas pouvoir regarder ensemble, en temps réel, etc., la conférence.
Donc, bah, je vous invite à vous la mettre dans un coin. Et, en revanche, c'est pour ça que j'ai dit que ce sera un live très chill, bah, moi, je vais l'écouter, etc. Je vais réagir, on va regarder. On mettra aussi... Bah, vous pourrez mettre des petits tweets, voilà. Vous pourrez mettre des tweets avec des images. J'afficherai des tweets aussi avec des différentes images de ce qu'on découvre au fur et à mesure et tout. Parce que ça, je pense qu'on a droit. Confirmez-moi. On a le droit, quand même, d'afficher les tweets. Des tweets avec des images, quand même. Ça, on peut. Hein? Donc, on va le faire. Franchement, les images, on a le droit. Oui. Bah quand même. iOS 14.6, à l'instant, ça se prépare pour le 15. Complètement. Ah oui, alors, Black Gamer, tu as raison. Demain, on se retrouve ensemble pour le reveal de Battlefield 6. Hein, bien évidemment, ici même, sur la chaîne. Non mais là, en fait, c'est parti. Hein. C'est J-3, mais même avant le 3, ça commence. Donc, ça va être très, 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 très bon. Très, très bon, exactement. C'est ça, on n'a pas le droit de prononcer Apple à partir de 19h. Ah, Tenia le chat qui devient Insider, bah bienvenue à toi. Bah oui, c'est comme ça, bah écoutez, hein, vivez ma vie de YouTuber, parfois c'est chelou. Les trois quarts du temps, on a le droit, mais Apple, qui quand même c'est une énorme boîte, etc. et tout, ils pourraient... Bah non, ils veulent pas. C'est comme ça. Je respecte. Je suggère de mettre un fond flou de la WDC, au moins. On fait ça quand on stream à Netflix en groupe. Eh ben, tu sais quoi, on verra, mais pour cette première fois, je vais quand même pas prendre le risque. Parce que imagine, on se fait striker et tout, ce serait un petit peu dommage quand même. Hein? Voilà. BF6, mais oui, c'est demain! Ça va être bon. Niveau iPhone, on est combien? Je ne suis plus à jour. Eh ben, on en est au 12, là. iPhone 12? Et bienvenue à Sonic System, voilà, alors toujours eu Apple 3G, 3GS, 4S, 5C, 6S Plus, et actuellement l'iPhone 11 Red. En Red, il est joli. Et alors, je trouve que le nouveau rouge du Mini est très classe. C'est pas un rouge total, c'est un rouge un petit peu corail. Et moi, je trouve que c'est très très joli. Voilà. Jus, comment vous allez vous organiser pour bébé pendant le 3, demande Flo. Bah, c'est ce que je disais il y a un instant. Il y a une organisation familiale pour bébé, voilà. Donc, bébé va être géré par la famille pendant la période car au jus, bien sûr. Le reste de l'année, on gère, hein, avec les grands-parents qui peuvent filer des petits coups de main et tout. Mais là, bah, justement, ils vont être mis à contribution et ils en sont très contents. Voilà, c'est cool. Il est pas beau, le rouge des iPhone 12, dit Jacques. Bah, tu vois, c'est très subjectif. Moi, je le trouve super beau. Voilà. Moi, je le trouve un peu rouge corail. Je le trouve vraiment magnifique. Mais c'est subjectif. Enfin, je veux dire, t'as pas raison, j'ai pas tort. T'as pas tort, j'ai pas raison. Hein. C'est mon avis, c'est le tien. Voilà. Allez, dans 5 minutes, ça commence, les amis. Ça va être cool. Enfin, j'espère. J'en sais rien du tout. On verra bien. J'espère que ce sera de qualité. Et qu'on passera un agréable moment. Donc, pour celles et ceux qui débarquent, est-ce que vous avez déjà vu sur l'équipe TV quand ils font ça, mais pour des matchs de foot? C'est-à-dire, on voit pas le match, mais ils commentent. Et donc là, je vais vous commenter. Voilà. Et vous allez être dans le chat, et du coup, bah, je réagirai à ce que vous direz dans le chat, etc. Voilà. Pour Roland-Garros aussi, il y en a qui font ça. Donc c'est cool. Bah, c'est la diffusion du pauvre, tout à fait, je suis 100% d'accord, effectivement, je préfère les diffusions où on est à fond tous ensemble en regardant directement, je suis bien d'accord avec toi, mais c'est interdit avec Apple, donc, bah écoute, moi je respecte, hein. Voilà. Gerlo qui devient membre Insider, bah bienvenue à toi, fais-toi plaisir, ça fait plaisir. Corentin, Apple qui ne souhaite pas laisser les gens diffuser leur stream, mais dans le même temps, j'ai trouvé la diffusion russe, mais pas FR. Bah oui, oui, ça j'imagine bien. David, as-tu déjà envoyé des invitations pour participer à la Libre Antenne? Non, pas du tout. Ça va arriver, mais pas tout de suite. Mais restez bien vigilants.
Je vous dirai, je pense, dans un bistrot du jeu vidéo, ça y est, les premières invitations sont parties. The McEnroe, donc je te suis sur mon iPad pour le chat et sur ma télé pour le stream Apple. Bah exactement, voilà. Alors je sais, et je m'en excuse, hein, c'est toute une organisation un peu particulière. Mais on ne peut pas faire autrement. On a pas le droit, tout simplement, donc voilà. Ce sont les aléas. Mais quand même, on pourra envoyer le message à Apple, gentiment, hein, sereinement, calmement, mais leur dire, quand même, les gars, ça vous dirait pas à l'avenir, de laisser les gens pouvoir regarder votre stream en même temps et faire, entre guillemets, comme à peu près tous les constructeurs et créateurs de contenu, etc., et dans le monde entier pour tous les autres constructeurs, à savoir, regarder tous ensemble la conf. Ça pourrait être sympa, quand même. Non ? Moi, je trouve. Voilà. Et dites-moi, est-ce que pour Samsung, c'est pareil ou pas ? Est-ce que vous avez écho que Samsung, il bloque les streams ou pas ? Salut Benji Drake, ça va ? Oui, mais... Aux Philippos, ils sont aussi fermés que leur OS. Ce qui a des qualités et des défauts. Hein. Non, Samsung ne fait rien. Non. Eh ben écoutez, franchement, si ça vous plaît qu'on se fasse à l'avenir des streams comme ça, de grands événements high-tech aussi, bah vous me le direz. Voilà. Et les autres, bah si les autres, on peut streamer avec les conférences, bah on va pas se gêner. Et au contraire, on le fera. Ce sera plus sympa que d'avoir des images fixes, hein, mais voilà. Je fais ce que je peux, les amis. Je fais ce que je peux. Mais au moins, je me dis que on va le découvrir tous ensemble. C'est un truc de fou. C'est super frustrant parce que ça y est, l'image vient de se mettre à jour et il y a le début du pré-show d'Apple. Et là, j'aurais envie d'appuyer sur un bouton, tu sais, et qu'on le voit. Genre, faire « Oh, oh !» Mais je le ferai pas. Évidemment, je ne le ferai pas. Voilà. Je ne le ferai pas. Par contre, du coup, je vais mettre mes écouteurs. Marco, est-ce que je suis plutôt team Apple ou Android ? Eh ben, je suis plutôt team Apple. Mais, enfin, je veux dire... Je suis team ceux qui font les trucs qui me parlent, quoi, qui me plaisent. Donc ça peut très bien changer. Hein. Je n'ai pas de chapelle. Donc là, pour l'instant, il y a une petite musique trépidante, voilà, histoire de se chauffer doucement mais sûrement. Attendez, je vérifie. Et si on se... Ouais... On se garde cette musique, là ? Allez, on va se garder cette musique. Hop. Vous savez ce que je vais faire ? Si ça se passe bien et si ça vous plaît, je vais contacter Apple. Je vais les contacter et je vais leur demander... Regardez, il y a eu plein de gens qui ont suivi la conf avec moi, etc. C'est cool. J'ai une belle communauté, est-ce que vous autoriseriez, par hasard, que je puisse streamer les choses ? Tu vois ? Merci d'avance, Apple. Ou s'il y a des gens de chez Apple qui suivent ce live, ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas le restreamer. Mais, est-ce qu'à l'avenir, on pourrait le faire sur la chaîne ? Regardez, il y a plus de 2000 personnes qui sont là avec moi, ça pourrait être très très cool. Bah écoutez, en tout cas, en attendant... Je vais faire la petite intro. Allez, c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne pour un live. Un live totalement chill aujourd'hui. Eh bien oui, car nous allons vivre ensemble, mais d'une manière un peu particulière, la WWDC21. Vous savez, c'est la grosse conférence à l'adresse des développeurs de la part de Apple, qui devrait normalement lever le voile sur le nouvel iOS, iOS 15, mais aussi macOS 12, peut-être aussi du côté de iPadOS. Il y a des très très grosses rumeurs qui font état d'annonces, peut-être potentiellement autour de Mac, les nouveaux MacBook Pro. Eh ben écoutez, on va suivre ça tous ensemble, en direct avec moi, qui commente ce qu'on voit, mais, vous le savez, on n'a pas le droit de restreamer directement les choses. Donc, bah, on va être comme ça, juste tous ensemble. Et je regarde, évidemment, dans le chat, vos commentaires et vos sensations. Alors voilà, ça commence avec, donc, des développeurs. Hein, puisque, évidemment, hein, c'est eux qui ont la parole. Puisque c'est fait pour eux.
Alors ok, ils font une espèce de fausse pub avec une... la voiture de Retour vers le futur. Avec une espèce de faux Tim Cook. Donc là, ils sont en train de deviser sur potentiellement à quoi on pourrait ressembler cette pub. Ok. Et là, soudainement, il y a plein de gens, plein de millions de personnes. Voilà, et en fait, c'est une sorte de making-of de la pub. Et le titre, ça pourrait être « Notre voyage vers demain ». Je demanderai, hein. Alors, il montre... Vous savez quoi? Je vais demander à Apple, pour la prochaine fois, qu'ils autorisent la diffusion. Hein. On est d'accord, hein. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'annonce encore de produits ou... d'iOS, etc. Pour l'instant, on est vraiment sur une fausse pub. Enfin, sur la création, les coulisses potentiellement d'une pub. Ok, donc là, ils se disent... ok, donc là, on parle dans un délire où ce serait un petit peu comme une comédie musicale. Ok, nous avons corrigé les bugs. Nous avons fait une app. Ok, donc... là, c'est ambiance un peu Wild Style Story. C'est le bug. En tout cas, il s'amuse bien. Mais ça marche pas non plus. Ok, donc là, il y a des espèces de faux Tim Cook. De faux Craig. Qui s'occupe un peu de la partie software, enfin un peu, même beaucoup, hein, qui chapeaute la partie software. Bienvenue à la WWDC, voilà. Et donc là, on voit Tim Cook qui va rentrer sur scène, les amis, devant un public d'emoji. Et ben voilà, tiens, c'est bien fait quand même. Bah oui, il n'y a pas de public, hein, donc ils ont mis des emojis. Alors... Regardez, on va faire ça. Hop. Donc, c'est la conférence la plus vue. Là, pour l'instant, il y a quand même 413 000 personnes en simultané sur le flux de Apple. C'est pas mal. Ok, donc d'abord un gros focus hein, sur... les minorités qui sont moins représentées et qu'Apple décide de vraiment aider avec des outils, de l'apprentissage afin d'avoir des nouveaux talents d'utiliser Swift, vous savez, le code, le format de code d'Apple. Ok, ils vont offrir aux développeurs tous les outils pour que les développeurs puissent continuer à nous inspirer. Donc ils ont plein de news très excitantes à nous proposer. Et là, on va passer à Craig. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans iOS ? Allez, c'est parti. On plonge à l'intérieur. Ils ont des transitions toujours très classe. Hein.
Ok, donc nos iPhones sont devenus indispensables pour beaucoup de gens parmi nous. Parmi vous aussi Voilà, bon alors là, on va arriver dans tout le discours bien marketing d'Apple, hein, c'est un fait. Faire en sorte que, voilà, iOS 15, parce que c'est donc bien officiel, c'est iOS 15, va nous permettre de rester connectés, d'être bien concentré sans distraction autour, d'utiliser l'intelligence, d'explorer le monde autour de nous. Alors évidemment, hein, cette année, ça a été, on a fait énormément de FaceTime, de Skype, etc. Et donc voilà, FaceTime, on en parle, et il devrait y avoir des petites améliorations, petites nouveautés. C'est vrai que quand on parle, etc., il y a plein de petites émotions sur le visage, de petites mimiques, etc. Et du coup, bah, parfois, avec la qualité des flux, c'est pas terrible, ça passe pas. Et donc, ils apportent le son spatialisé, spatial audio, à FaceTime. Et n'hésitez pas à mettre vos commentaires, etc. avec le hashtag JuLive. Donc, effectivement, il explique à quel point le son du micro, quand on parle, prend une cacophonie de son. Mais là, il va prioritariser la voix, histoire de la rendre la plus claire possible. Donc là, il montre un extrait avec un mec carrément qui... C'est une nana, en l'occurrence. Qui fait souffler du vent, etc. Ok, c'est exactement comme la technologie qu'on avait vue chez Nvidia, vous savez, qui supprime les sons ambiants pour se concentrer uniquement sur la voix. La vidéo, maintenant. Donc, maintenant, on peut faire une grille pour les appels FaceTime. Et pour faire en sorte que ce soit encore plus beau que d'habitude... Ah, le mode portrait, ok, pour FaceTime. Vous savez qu'il fait un petit flou arrière, là. Ok, donc ça... Bah, oui, bah, vous connaissez le mode portrait, hein, ça existe aussi sur les appareils Samsung, etc. Évidemment. Mais ça rend les choses un petit peu plus jolies. J'espère d'ailleurs que bientôt, un jour, dans iOS et sur les iPhones, on pourra filmer en mode portrait. Mais ça doit être très demandeur, hein, en temps réel. Ok, donc là maintenant... On va parler... Là, il parle pour l'instant du calendrier. Ça, c'est Epona, hein, que vous entendez, bien sûr. Alors, voilà, il rappelle à quel point la vie privée, c'est très important, évidemment. Et que tout ça est encrypté de A à Z. Ok, donc ils créent SharePlay. Qui sont toutes les options qu'on va pouvoir utiliser lors des FaceTime. On va pouvoir partager de la musique, par exemple. On va pouvoir regarder des films ensemble. On peut partager son écran aussi, pour voir à quoi on joue, par exemple.
Regardez par exemple, là vous voyez, hop, c'est ici. Vous voyez un petit peu, je vous mets quelques images. Ok, donc chacun qui sera dans la discussion pourra partager comme ça des musiques, décider de les faire avancer et autres. Regardez, là, vous voyez, ici, là. Je regarde un truc. Ok, et vous pouvez potentiellement bah, partager tout ça sur votre Apple TV. Si vous en avez, bien sûr, hein, bah, l'écosystème Apple, hein, qui fonctionne en symbiose. See your friends react live to a buzzer beater in the NBA app or a speedrun on Twitch. Jump on TikTok to watch the funniest videos of the week. Learn a new skill with a friend on... Ok, donc ils travaillent avec Disney+, Hulu, HBO Max, okay. Twitch, TikTok, ESPN, la NBA plutôt, voilà, et ça vous pourrez regarder tout ça avec vos potes, votre famille, c'est quand même plutôt cool. Next, when it comes to staying connected throughout the day, our go-to voilà, notre référence maintenant, c'est les messages. Okay. Donc il y a du partage d'articles, on peut partager des articles, des photos, des images. Donc cette année, on va pouvoir profiter de tout ce remarquable contenu et des échanges qui s'en suivent. Voilà. Ok, donc là, on parle de iMessage. Et donc, enfin, de messages tout court, hein, d'ailleurs. Look at this brand new collage design. In this cool stack with even more photos okay. from Taylor. I can quickly swipe through them, envoie plusieurs photos, tap to view the full bunch, elles vont se mettre les unes en dessous des autres, et si on appuie dessus, now, ça va nous permettre de les afficher d'un coup tous ensemble. Donc en fait, ils raffinent un petit peu le mode de représentation des différentes photos. Article from Casey about what type of pizza is best. The thing is, the time when I receive this great content is often different than when I'm ready to enjoy it. For example, I'm not going to read this right now, but I'd love to the next time I catch up on the news. Let me show you something we designed just for that, called Shared With You. So now, if I head over to okay, the news app, there's a new Shared With You section that conveniently surfaces that pizza article and a few from my other friends. Et qui va faire ressortir les articles de vos amis, etc. And check this out. Up top, it shows me who it's from. And I can tap from Casey ça, j'ai envie de to dire que pour l'instant, je trouve qu'on est déjà suffisamment kind of rempli de notifications, right de trucs, etc. pour en plus avoir, aller voir ce que nos amis font, regardent et machin quoi. Je sais pas pour vous, mais... Right here. Let's take a listen. Ok, merci de m'avoir prévenu qu'il y avait le son, parce qu'il faut pas. Merci. Voilà, c'est bon, c'est horrible, hein. C'est super frustrant, hein, les amis, hein, mais je vais contacter Apple pour voir ce qu'on peut faire pour les prochaines fois. Ok, donc pas mal de partage en plus dans iOS 15. Donc on peut partager avec Safari, Apple Podcast. Et s'il y a quelque chose d'important. Ok, et on peut épingler des messages particuliers qu'on veut garder. Ok.
Donc il renforce vraiment la galaxie des possibilités de messages. Alors bon, il rappelle à quel point ces petits appareils jouent un rôle si important dans nos vies aujourd'hui. C'est un fait. Regardez un petit peu, hop, quelques images. Ok, donc un nouveau look pour les notifications. Ça c'est plutôt cool, elles sont plus larges. Plus facile à reconnaître. Ok. C'est vrai que je sais pas pour vous, mais on peut avoir beaucoup de notifications. Et parfois c'est un peu. Ok, donc on a une collection maintenant de notifications qui fait une sorte de bloc. Ok, comme ça vous ne raterez pas les messages importants lorsqu'ils arrivent. Parce que du coup ça va pouvoir sélectionner par rapport à vos amis, etc. On peut mettre aussi le pas dérangé. Ok. Ok, maintenant, quand vous allez mettre, vous savez, le ne pas déranger, ça va s'afficher aussi chez les autres, qui sauront donc qu'il faut pas vous déranger. Donc là, il parle de se mettre des limites à soi-même aussi. Salut Seno. Ah, tu m'étonnes. Parfois, j'hallucine de voir les gens à table qui sont sur leur téléphone. Ok, donc il y a un nouveau système qui s'appelle Focus. Et en fait, en fonction du moment ou de la journée, vous allez pouvoir choisir là où vous devez vous concentrer. Ok, donc vous allez pouvoir organiser avec le travail, avec le calendrier, uniquement les applications de travail par exemple, pour notre vie privée. Si vous voulez recevoir que des messages en notification de vos amis et de votre famille, c'est pareil, vous pouvez le faire. Vous pouvez mettre aussi YouTube hein, si vous souhaitez. Ok, et automatiquement, quand vous avez vos appareils iOS qui sont connectés, votre iPad, votre iPhone, votre ordinateur, etc., le focus va vous suivre. C'est-à-dire que la manière dont vous allez gérer les notifications sera transversale, en fonction du compte, hein, évidemment. Ça, moi, je sais que, par exemple, je suis en ne pas déranger non-stop. Et je sais qu'à titre personnel, les notifications, je trouve ça étouffant. Moi, sur mon téléphone, j'ai viré toutes les notifications. Je ne reçois aucune notification, hormis les textos, etc., les SMS. Parce que sinon, c'est la dinguerie. Mais peut-être que si on peut les gérer un petit peu mieux, je pourrais peut-être remettre des petites choses. Ok, donc là, il donne un exemple. Il vient de finir une réunion avec ses potes, enfin avec ses potes, avec ses collègues. Ok, donc là, en fait, c'est de l'intelligence qui va... Ah, ça, c'est cool. Donc, ça n'a rien à voir, là, avec les messages, etc. Mais, par exemple, vous avez un tableau blanc, vous prenez une photo, il va détecter le texte, vous allez pouvoir le souligner et le mettre dans un mail. Par exemple, là, sur ici, là, si ça marche bien, on pourrait prendre une photo de ça,
et WWDC, machin, je pourrais le sélectionner et l'envoyer par mail. Mon exemple n'est pas forcément le plus flagrant, mais... Ah ouais, non, ça peut être très cool. Ok, donc en gros, il sait détecter, l'appareil photo va pouvoir détecter dans une image le texte. Ça, c'est pas mal. Par exemple, il donne un autre exemple que je trouve très cool, qui va peut-être plus vous parler. Vous voyez un restaurant, etc., ou un truc, il y a un numéro de téléphone. Au lieu de regarder, de le taper, machin, prenez une photo, vous le gardez pour plus tard, et plus tard, vous pourrez le copier-coller, et vous l'envoyer ou l'envoyer à un pote. Alors, je suis d'accord, hein, Lucky qui dit Samsung le fait déjà, ouais, je crois que c'est Google Lens. Voilà, ça existe déjà, ça s'appelle Google Lens, MG Tech. Je ne dis pas le contraire, je dis juste que là, ça arrive dans l'écosystème iOS. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Et ça comprend 7 langues, dont le français. Donc, c'est plutôt bien. Ça fonctionne sur iPhone, iPad et Mac. Ok, et ça peut reconnaître aussi des objets. Donc ça reconnaît le texte, ça peut reconnaître les objets. Ok. Par exemple, vous voyez, là, il donne les exemples de lieux un peu connus, célèbres, genre, je sais pas, la Tour Eiffel. Prenez la Tour Eiffel en photo. Normalement, le téléphone est censé la reconnaître et vous donner des informations, si vous le souhaitez, sur le lieu. Ça peut être pratique, quand même. Parce que là, je vous donne des exemples, genre la Tour Eiffel, mais... Vous arrivez dans un endroit, vous dites ça, c'est quoi déjà, machin, tac. Ça peut être sympa. Ok, ils ont raffiné un petit peu aussi la page de contact. Bon, pour l'instant, il n'y a rien de révolutionnaire, évidemment, hein, mais vous l'avez compris, hein, on est plus dans la présentation là, de iOS 15, et donc de raffinement. Ok, maintenant, les souvenirs dans vos photos. En fait, ça va assembler des photos, machin, voilà. Donc ça, si vous avez un iPhone, vous l'avez déjà vu. Je trouve que d'ailleurs, c'est plutôt bien fait. Par exemple, votre enfant, votre femme, votre mari, votre grand-mère, etc. S'il y a plusieurs photos, il les reconnaît et après, il peut faire des petites vidéos. Je trouve que parfois, ça me surprend et ça marche plutôt pas mal. Et ça peut ajouter une petite musique, etc. Donc là, ok, donc là, il montre un exemple d'une nana qui a fait de la varap. Voilà, et ça lui propose une petite... Alors ça, par contre, ça existe déjà depuis un bon bout de temps, non? Alors peut-être qu'ils ont dû raffiner les choses avec des nouvelles musiques. Voilà. Il y a dû avoir des améliorations. Mais ça, c'est pas très nouveau, quand même. On peut personnaliser son souvenir. Et il y a des mix de souvenirs, maintenant. Ce genre de live, c'est totalement expérimental, hein, les amis. Dites-moi un petit peu qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant, etc. Parce que c'est très particulier de suivre quelque chose... Ben, je vous le commente un petit peu, mais à la fois, j'aimerais tellement vous montrer les images, mais vous voulez regarder en même temps. Et je regarde un petit peu vos commentaires. MJ Tech, merci et bienvenue. Ah bah, MT World, tu trouves que c'est plutôt cool. Bah, merci beaucoup. Ouais, voilà, on s'adapte. Voilà, tu vois la vidéo aussi, L-Hadge. Vous savez quoi? Allez, moi, je m'adapte aussi, et on va essayer de raffiner un petit peu la formule. Là, je trouve que c'est pas super intéressant pour l'instant sur cette partie-là des souvenirs, puisqu'on sait que ça existe déjà pas mal. Donc je vais prendre un petit peu vos commentaires pour voir un petit peu ce que vous en pensez. Graphic designer, c'est cool en vrai. C'est sympa, dit Sébastien. Bah, vous êtes adorable. Merci beaucoup. Je fais la cuisine et je t'écoute. Ça suffit, Alexandre. Bah voilà, je te décris un petit peu tout ce qui se passe. Yannick, bonjour de Montréal. Bah merci beaucoup, David. Bah, y a aucun décalage. Bah non, parce que je me suis vraiment mis sur le flux, donc normalement, c'est plutôt bien. On est dans le thème, on est d'accord. Oui, je suis super d'accord, hein, celle de table. Pour l'instant, c'est pas une conférence complètement dingue. On va être honnête.
Mais après, bon, ils présentent les nouveautés d'iOS 15. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de nouveautés complètement folles. On est vraiment... iOS aujourd'hui est devenu assez mature, hein, quand même. Dans le sens où, pour bouleverser le schmilblick, voilà. Mais ça s'affine, ça s'améliore, ils ajoutent des petits éléments, etc. Supplémentaires. Vous pouvez m'envoyer aussi un petit peu vos messages, hein, avec Twitter, avec le hashtag JuLive. Pas facile d'être bouleversant, hein, pour l'instant, sur un modèle qui est déjà extrêmement bien établi, hein, quand même. Voilà, Jérôme, hein, il présente plus du raffinement de ce qui existe déjà. Je suis super d'accord. Mais à la fois, à mon sens, iOS aujourd'hui est une expérience quand même, certes peut-être plus fermée que ses concurrents, mais extrêmement solide, et donc il continue à l'affiner et à en faire quelque chose de vraiment top, quoi. Merci, hein, Pascal, pour ton message. Au Philippos aussi, merci, hein. Ça fait plaisir. Et alors, Pascal qui demande, j'hésite à prendre un iPhone cette année, moi qui ai toujours été Android dans la série Samsung Galaxy S. Qu'en penses-tu, Julien? C'est un choix qui est extrêmement personnel, hein. Il faut regarder un petit peu si design, capacité technique, application, etc. Prends celui qui regroupe les éléments qui te plaisent le plus à ce niveau-là. Ok. Je continue un petit peu avec vos messages parce que pour l'instant, ça continue, mais évidemment, je vous préviens s'il y a une annonce importante. Benji, iPhone, pour moi, c'est solide, simplicité, performance. Super d'accord. Kawabanga, qui est plutôt sur un Google Pixel. Bah, de rien, Pascal. Après, il faut moduler aussi avec les prix et tout, parce que ce sont des téléphones qui sont quand même assez chers. Et fais comme moi, hein. N'en rachète pas un tous les ans, surtout, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Si tu mettrais la pointe, tu peux, hein, mais bon. Celle de table, je pars sur un MacBook Pro dans quelques semaines pour la vidéo. Je viens du PC, et du coup, pourquoi pas revenir sur un iPhone plus tard? Bah, ce qui est sûr, c'est que l'une des forces d'Apple... C'est à partir du moment où tu as différents éléments de l'écosystème, ils fonctionnent bien ensemble, et là, tu as des résultats qui sont plutôt cool. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure, sur le Focus, par exemple, qui va te suivre sur tes différents appareils. Nicolas Perret, moi, iPhone 10, j'attends un peu pour voir pour le 12 ou le 13, mais bientôt, je pense. Alors, le 13, on ne sait pas encore, hein. C'est pas pour tout de suite, c'est sûrement l'année prochaine. Enfin, l'année prochaine, fin d'année, quoi. Septembre, généralement. Ok, donc il y a un nouveau design de la météo. Voilà. Mais alors là, c'est un nouveau design, c'est très léger. Hein. Voilà, c'est juste qu'il y a des petites cases en dessous et qu'il y a des animations de pluie, etc. Un petit peu plus globales, qui prennent un peu plus de place en hauteur. Ah, d'accord, quand il y a de la pluie, les petites gouttelettes de pluie retombent sur les petits blocs. C'est marrant. Des cartes météorologiques haute résolution plein écran. Bah, moi, ce que j'espère surtout, c'est qu'ils ont fait évoluer un petit peu leur partenariat, je sais pas avec qui ils passent pour la météo, mais chez moi, en tout cas, la météo, elle est pas toujours très fiable. Quand je prends la météo de Google, généralement, elle est un peu plus fiable. Marco Eco Plus, pour le moment, c'est pas dingue. Je suis d'accord. Après, attention, hein. On s'attendait pas à une conférence complètement historique, hein. Mais c'est loin d'être fini. Allez, on rejoint Meg. Alors là, on va parler de map. Donc ils ont dit depuis 2 ans, ils l'ont déployé, il y a plus de détails, ils l'ont reconçu de zéro. Aux États-Unis, Royaume-Uni, Irlande, Canada. Ah, la France maintenant? Eh ben, Espagne, Portugal, Australie, Italie, et pas la France. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, Apple? Donc non, pour l'instant, on ne peut pas profiter de la nouvelle option de plan. «
Ok, dans les villes, bon alors je vous en parle, mais ça nous concerne bof pour l'instant du coup. Dans les villes, il va y avoir plus d'options d'exploration. Julien Criff, ils vont mettre Fortnite pour la partie JV. Avec le procès, avec Epic, je pense pas. Vous êtes facétieux, Julien Criff. Ah ouais, effectivement. Ok, alors là, le mode 3D des cartes en ville a un petit look très classe. Très très classe. Ça me fait penser à Monument Valley, le style visuel. C'est très très joli, mais pour l'instant ça n'existe pas chez nous. Mais on est d'accord, hein, Nicolas Vernant, c'est très très beau le nouveau map. Ouais, ça s'appelle Plan hein, chez nous. Je trouve Plan assez mûr, je l'utilise au quotidien et j'ai dégagé Maps. Et on voit vraiment clairement le... Ouais, ouais, le design est très joli. Après, le plus important, c'est que il indique bien les choses, ce qui n'était pas tout à fait le cas au début, mais qui s'est effectivement bien amélioré. Ok, il y a les pistes cyclables. Et sur les intersections un peu complexes, du coup, on va avoir un petit peu plus d'aide. Ok, ah ça c'est plutôt cool. Vous savez les ponts sur les intersections qui passent par au-dessus, etc. Là maintenant ils sont vraiment mis en 3D, donc on comprend mieux où est-ce qu'on passe et tout, parce que, on va être honnête, hein, mais objectivement, certaines fois hein, sur les GPS, il y a des trucs on fait « Faut que j'aille où ?» Ça vous est jamais arrivé de vous planter vous sur la route? Nous ça nous est déjà arrivé avec Carole. Ouais Pierre Jupin, hein, c'est super beau, ouais. Bientôt des images satellites en direct. Ok, et ça marche aussi, ouais, pour les trains, les stations donc de métro, etc. Ah ouais, alors là, c'est ça, c'est pas mal. Vous êtes dans la rue, vous savez pas où est... où vous sortez du métro, etc. Vous prenez votre appareil, il va regarder un petit peu les lieux, et il va vous dire, il va reconnaître tout de suite pour la fin de votre chemin, etc. Ça, c'est plutôt cool. Ouais, ouais. Nine B qui dit, plutôt bluffé par iOS 15 pour l'instant, les nouveautés sont très bonnes. Bah, écoute, c'est des petites touches, mais clairement, ouais, ce sont des améliorations. Et là, les améliorations de plan, je les trouve très séduisantes. Malheureusement, pour l'instant... Nous ne pourrons pas en bénéficier chez nous en France, pour l'instant. Allez! Allez! Cela dit, j'imagine que ça demande sacrément du boulot, hein, parce que vu le degré de détail des plans, là... Ouais, j'ai trouvé... Il y a plein de nouvelles options aussi de fringues pour les emojis, etc. Ok. Ok, ça va parler des AirPods. Et il y a des petites nouveautés pour les AirPods. Ça, c'est cool, parce que, effectivement, je trouve que ce sont de super accessoires. Je les utilise, pour ne rien vous cacher. Donc voici Gagan Gupta, le Senior Engineering Program Manager. Je suis d'accord, Eladj, hein, pour les personnes qui ont du mal avec le sens de l'orientation, c'est vraiment idéal. Ouais. Alors après, on est très assisté, hein, mais... Alors, conversation boost. Ok, donc dans un environnement où il y a du bruit, etc., machin. Ok, donc il détecte à qui nous parle, enfin la personne qui est vraiment en face, et il va permettre de mieux entendre les conversations. On peut réduire aussi les bruits de fond. Ok, il y a des options. Ok, donc maintenant, il y a des... Siri peut automatiquement vous dire s'il y a des notifications importantes. Ok, quand on fait ses courses, par exemple, Siri peut nous lire la liste de courses, etc. Ok, Benji Drake, AirPod Pro au top. Ouais, je suis assez d'accord. Jababa, les AirPods Pro sont vraiment top, je les ai et je reviendrai pas aux anciens. Je suis d'accord. Ne serait-ce que le noise cancelling, là, l'annulation du bruit ambiant,
qui est très efficace. The McEnroe, la captation micro des AirPods Pro sont pas terribles, franchement. Alors, je suis d'accord avec toi. À mon avis, c'est parce que les trucs sont très très petits, en fait. Ils sont tout petits, maintenant. C'est un élément sur lequel ils peuvent s'améliorer, effectivement. Mais sur le reste, c'est très très bon. Après, oui, je suis d'accord, Jojo. Hein. Ils ont l'air ouf, mais il faut économiser, quoi. Ouais. Alors moi, je les ai pris, il y avait une promo. Donc je crois que j'ai économisé un bon 50 euros. Le son tridimensionnel digne des films donne vie à vos films, ok. L'audio spatial sur tvOS. Ok. Et donc l'audio spatial, ça va arriver aussi sur macOS avec les nouveaux Mac. Dolby Atmos sur Apple Music. Avec plusieurs titres, hein, des artistes d'Ariana Grande, The Weeknd. Ok, donc des améliorations pour les AirPods. Vous avez plein de petites améliorations sur chacun des segments, etc. Allez, on va passer à l'iPad maintenant. iPadOS. Jesse, est-ce que je crois qu'Apple pourrait, à l'avenir, faire une console de jeu? J'ai envie de te dire, en fait, ils l'ont déjà. Hein. Ça, les iPads, c'est des consoles de jeu. Après, pourquoi faire vraiment une console dédiée? Tu vois ce que je veux dire? Par contre, renforcer encore leur présence dans le jeu vidéo, peut-être avoir d'autres studios, etc., qui leur feraient des contenus exclusifs. Ça, c'est tout à fait envisageable. Ok, donc là, ça parle de l'iPad. Pareil, hein. Alors voilà, The McEnroe, il est content. C'est le meilleur moment. Eh ben, écoute, on va voir un petit peu ce qu'ils vont nous annoncer. Allez, ça parle des widgets. Il y a une grosse mise à jour sur les widgets. Ah, je savais que ça allait tomber. Ok, il vient de recevoir un iPad dans les mains, le truc a failli tomber. Contrairement à mes écouteurs qui, eux, sont véritablement tombés. Ok, donc il y a des widgets maintenant en haut. Qui a un iPad parmi vous? Ok, on peut tous les décaler, etc. Parce que j'ai l'impression que les iPads, il y a vraiment eu, et les tablettes au global, hein, je parle même pas forcément d'Apple, hein, une explosion au début, après ça a vraiment plafonné. J'ai l'impression que ça repart un petit peu en ce moment. Apple Vidéo, bah, vu ton pseudo, ok, Clément, ok, Ours, Karine, Zarkawi. Et alors, comment vous en servez par rapport à votre smartphone? C'est quoi vos usages différenciés? Parce que moi j'ai un vieil iPad, un iPad mini. Donc je crois que je dois l'avoir depuis, je sais pas, 6 ans ou un truc comme ça, quoi. Mais au fait, je me rends compte que j'utilise surtout mon smartphone. Ok, Jojo, iPad mais pas d'iPhone. Ok. Pour le dessin iPad Pro que nous dit Karma, ça, ouais, clairement. J'ai des potes qui font ça aussi. Beaucoup, beaucoup qui utilisent l'iPad pour le dessin. Voilà, Chris, c'est mon outil de travail, je suis graphiste. Voilà, bah, vous confirmez, hein. La plupart des gens qui utilisent... Enfin, la plupart des gens que je connais qui utilisent un iPad, c'est pour la partie artistique, hein. Super Koala, ma copine tatoueuse, est heureuse. Donc j'imagine qu'elle bosse un petit peu ses trucs avant sur l'iPad. Retouche photo, Kenny. Dexteria Game, moi, il me sert pour le dessin et la lecture, partition de musique. Ah, ouais, tu le poses et tu fais ça, d'accord. Lecture multimédia. Ah, une mise à jour majeure.
le multitâche. Oh, ça risque de faire plaisir à certaines personnes parmi vous. Du multitâche. En voyage, c'est indispensable, dit Like a Beast. Alors, moi, le truc, c'est que pour l'instant, je suis plus sur le combo smartphone-ordinateur portable. Par exemple, tu vois, si je devais faire mes montages et tout sur l'iPad, ne serait-ce que pour les transférer, compliqué. Ça, c'est une chose qui devrait améliorer, d'ailleurs. Ok, accès rapide à l'écran d'accueil. On peut sélectionner facilement. Par exemple, il travaille sur un podcast. Il prend une appli et il a ses notes à côté. Ah, ça, c'est plutôt cool. Avec la vue splittée. Ok, on peut passer de l'une à l'autre. Pour les mails aussi. Ok, pour les mails, par exemple, on maintient appuyé un instant le mail et il s'ouvre au centre sans changer de vue. C'est là où ils sont assez forts quand même, objectivement. C'est pour le confort d'utilisation à chaque fois, ils ont quand même été toujours en avance. Hein. Donc il y a le shelf, donc c'est l'endroit où on va pouvoir stocker les différentes applications. Ok, donc quand on a plein de fenêtres Safari ouvertes, par exemple, donc le web, on peut passer de l'une à l'autre comme ça, directement en dessous. Bon, alors ça, vous pouvez le faire déjà avant avec les onglets, hein. Mais sauf que, du coup, ça va garder votre taille, etc. Nagi, Bouya, traitement de texte, tout est intuitif. Suleiman, le hardware et utilisation Apple est vraiment en avance. Bah, vous savez pourquoi ? C'est un truc tout bête, hein, mais il faut le faire. Hein. C'est que, bah, ils fabriquent leur hardware et ils fabriquent leur software. Du coup, ils maîtrisent toute la chaîne, ce qui n'est pas toujours le cas chez la concurrence. Coucou de Maline qui dit « Le problème, c'est que seul Samsung propose des tablettes correctes en Android. » Oui, Guillermo, il doit y avoir d'autres personnes qui demandent pourquoi il n'y a pas les images. Bah, pas tout simplement parce que Apple ne donne pas l'autorisation de pouvoir restreamer, comme je le fais à chaque fois pour les autres conférences. Évidemment, pour toutes les autres conférences, c'est possible, mais pas pour Apple. Un cas particulier, je vais contacter Apple pour essayer de officiellement vous le proposer, peut-être pour les suivantes. Et donc, on s'est dit qu'on allait se le faire comme ça. J'en conviens, c'est pas le top du top, hein. Je suis super d'accord. C'est pour ça qu'on est vraiment sur un live chill. Mais de temps en temps, pourquoi pas, hein. Et puis vous me direz si ça vous plaît. A priori, pour l'instant, si vous êtes là, c'est que vous aimez bien. Et comme ça, je réponds à vos questions, etc. Suleiman, qui dit qu'il faudrait qu'il progresse sur l'autonomie des iPads. Dites-moi, les derniers iPads, ils sont quoi en termes d'autonomie ? Parce que moi, j'ai mon iPad, il est très très vieux maintenant. Ok, donc on peut faire des quick notes. On peut écrire avec le stylo, là. C'est plutôt cool comme ça. On chatte. Bah oui, hein, on se le mate ensemble. Hein. Moi, je le mate d'habitude tout seul. Là, je suis avec vous, quoi. Like a Beast, la batterie s'abîme vite au début, il y a une bonne autonomie, puis ça se dégrade. Oui, alors là, j'ai envie de te dire, je crois que c'est quand même le cas de tous les appareils informatiques au global. Hein. Plus on utilise, plus ça s'abîme. Hein. À l'usage, le stylet, c'est bluffant. Même la première version, nous dit Nicolas. Ah ben ça, je suis d'accord. Enfin, en tout cas, tous les graphistes que je connaisse me le disent, me le confirment. Super Koala, c'est vrai qu'en autonomie, ce n'est pas terrible. Environ 10 heures et le Pencil Pen, je n'en parle pas. Ah oui, il est d'accord. «
Harley Quinn, quand je regarde ton live full luminosité, la batterie part vite. Et oui, faut rarement mettre à fond les ballons la luminosité, je suis d'accord. Ok. Ah, ça c'est cool. On va pouvoir traduire maintenant sur l'iPad directement. Et je trouve que les progrès faits sur les traducteurs sont complètement dingues. Il y a mais quelques années à peine, c'était vraiment pas terrible du tout. Pour ne pas dire assez médiocre. Et là, maintenant, ça s'est vraiment amélioré. Et là, il y a un truc qui s'appelle auto-translate. Vous mettez les deux langues, enfin la langue de la voix initiale, et ça vous le traduit dans la langue que vous souhaitez. Ça, c'est assez fort. Ok. Donc, vous sélectionnez le texte, vous appuyez, il y a un petit onglet, traduire. Et vous pouvez même traduire des photos. Ah, ça, c'est fort. Ça, c'est très fort, parce que vous êtes dans un pays étranger, quand ça va se rouvrir, tout ça, on va pouvoir enfin de nouveau voyager. Tu prends une photo, par exemple, d'un menu dans une langue étrangère, et ça va le traduire. Alors ça, c'est pareil, hein, ça existait déjà. Google le faisait déjà, avec Carole, on avait un peu essayé. Ça marchait pas toujours très bien, mais parfois, oui. Parfois, par exemple, au Japon, quand il y avait un plat, on comprenait pas, tac, on le faisait, et on avait une trad. The McEnroe, tout est bon chez Apple, design, performance, écosystème, hélas, le prix suit aussi. Alors, The McEnroe, il est complètement fan, hein. Mais bah, si on veut la qualité, il faut le prix, voilà. Yann Solo, c'était une belle fonction de Google Translate. Tout à fait. Alors pourquoi tu parles au passé? Ils le font toujours, j'imagine. Oui, Denis, le Japon, j'ai tellement hâte d'y retourner. Mais oui, j'avais utilisé Google Translate au Japon, comme ça, avec des photos. Julien, pour la traduction, l'appli Microsoft Translator fonctionne à merveille sur les photos. Ok. Benji Drake, on a dit le Japon, mais pas tout de suite encore. Et oui, Nico Pro, demain, on va vivre le reveal de Battlefield en direct, et il y aura les images, hein, cette fois-ci, évidemment, je préfère vous prévenir. Là, c'est vraiment ultra exceptionnel, j'avais envie de tester avec vous, voilà, un live un peu différent, quoi. Ok, bon là il fait un petit récap des nouveautés d'iPad OS. Il y en a pas mal hein, en vérité. Et là on va parler de la confidentialité. Ils me font marrer. Avec son pied, il a ouvert une trappe dans le sol et il est tombé. Et là maintenant, c'est la confidentialité. Vous savez que c'est un truc très important chez Apple. On ne devrait pas choisir entre d'excellentes fonctionnalités et la sécurité. Vous méritez les deux. Ok, donc... aujourd'hui, les entreprises de technologie publicitaire, souvent sans votre permission, l'utilisent, etc. Et nous ne pensons pas que cela soit juste. Nous croyons à la protection de votre confidentialité. Et à vous donner la transparence de qui contrôle vos informations. Et on donne encore plus de contrôle à nous. Ok. Donc là, par exemple, ils parlent de mails, etc., ou de publicitaires qu'on reçoive, avec des pixels transparents qui donnent votre IP et compagnie. Et vous devriez pouvoir choisir d'accepter ou pas. Et donc maintenant, dans Mail, il y a Mail Privacy Protection, qui va cacher votre adresse IP. Ça va cacher votre localisation. Et de voir si vous avez ouvert le mail ou pas. Donc maintenant on passe à Safari, donc c'est Internet. Enfin c'est Internet, c'est le web quoi. Les pages Internet. Et donc... voilà, maintenant on peut voir quels trackers sont utilisés, etc. dans les trucs de confidentialité.
Et ils ont apporté ça dans les applications aussi. Ça va vous donner une vue d'ensemble. Ok, donc ça c'est toutes les options de contrôle. Il y en a beaucoup. millions d'appareils chaque mois qui sont activés. Ok. Donc il y a plein de nouveautés qui vont arriver sur Siri. Donc pareil, mise à jour de confidentialité. Ok, l'audio est traité directement sur votre iPhone. Ça résout la préoccupation principale qui nous revient, que les assistants vocaux, les enregistreurs audio non désirés. Ça, je suis super d'accord. Par exemple, vous avez une enceinte connectée, etc. Vous vous demandez, est-ce que parfois je suis écouté, etc. Donc, Maxime, ton live est vraiment sympa, Julien, et reposant. Bah, merci beaucoup, et merci à vous. Hein. Vous êtes plus de 1500, presque 1600 connectés en simultané. Je suis désolé, une fois de plus, de ne pas pouvoir vous proposer les images, mais c'est pas de ma faute, c'est Apple qui veut pas, et qui bloque, et qui coupe les streams. Donc, je ne préfère, je respecte totalement. Mais néanmoins, prochainement, je pense que j'essaierai de les contacter pour voir si, à l'avenir, on pourrait pas... On pourrait pas faire autrement. Ok, donc là, il montre un petit peu les nouveautés de Siri. Voilà, qui réagit très rapidement. Allez. Allez, maintenant, ça va parler d'iCloud. Et toujours pareil, sur la confidentialité, hein. Merci beaucoup, hein, Carvarstor. Et je préfère prévenir, hein, le reste des conférences, les E3, le 3 quart au jus, Xbox, Bethesda, Ubisoft, Square... On aura les images, hein, bien sûr, parce que eux acceptent. Voilà, hein, que ce soit clair. Alors... Ok, donc là, ils vont présenter une nouvelle manière de récupérer son compte si on a perdu son password, etc. Si un jour vous oubliez votre mot de passe, on peut appeler ses amis, etc. pour se reconnecter. Ils le sauraient pas, ils le garderont pas, mais comment ils ont fait ça? Ça doit être mis en fait en connexion avec vos amis, ils doivent partager de manière encryptée des codes. Ok, donc là ça parle quand on meurt, vous savez, on va pouvoir dire, on va pouvoir noter des membres de famille, et si il y a une personne qui vient à décéder, eh bien les documents, les photos, les notes, etc. sécurisés, vont pouvoir être accessibles par les membres de votre famille. iCloud Plus. Il y a donc des nouvelles fonctionnalités. Ok, donc là, iCloud Private Relay. Ça permet de naviguer encore plus, de manière encore plus sécurisée sur Safari. Alors là, par contre, j'arrive pas très bien à comprendre pourquoi il faudrait utiliser iCloud Plus et donc payer pour être encore mieux protégé sur Safari. Ils vont expliquer. C'est envoyé à deux proxys Internet séparés. C'est conçu pour que personne, Apple y compris, ne puisse voir ni qui vous êtes, ni les sites que vous visitez. Tout ça sans compromettre la performance.
Et donc, une nouvelle fonctionnalité, cacher mon email. Ok, donc c'est, vous savez, tous ces formulaires où on doit envoyer son email. Ok, donc là, on va pouvoir mettre autant d'adresses que l'on veut. Des adresses un peu cheloues, mais que iCloud va gérer et savoir que c'est vous. C'est un peu ça, hein, Nicolas. C'est un peu un Apple VPN, quoi. Et les prix ne changent pas. Ok, les prix de iCloud ne changent pas, ils ajoutent juste des quelques nouveautés. Donc maintenant, ça va parler de santé. Faudra bien vérifier un petit peu là ce iCloud Plus, etc. Qu'est-ce que ça intègre, comment est-ce que c'est géré, machin. Je reviendrai dessus à froid et tout pour essayer de comprendre parce que c'est allé assez vite. Mais en tout cas, à retenir quelques nouveautés pour pas plus de sous dépensés. Donc là maintenant, on rentre dans la santé. Yann Solo qui nous dit « J'ai pris une sonnette connectée, j'ai abandonné les sonnettes HomeKit, c'était trop cher. » The McEnroe, « J'aime bien ce concept où tu commandes sans montrer le mainstream, un petit retour en arrière côté radio à l'ancienne. » C'est pas faux, mais je préfère quand même commenter avec des images, hein, en vérité. Tom, « La VR en one more thing ?» Ah, je pense pas. Je pense pas. Non, non, là, c'est vraiment axé sur les fonctionnalités. Donc je pense que ce sera pas le cas. Jérôme Blondel, pas d'iPhone 13 en septembre ? Si, probablement. Probablement. Et si c'est pas septembre, ce sera octobre. On sait que maintenant, avec les pénuries, le Covid et tout, parfois c'est un peu décalé. Alors, je regarde un petit peu aussi vos messages, et je reviens évidemment si dès qu'il y a un truc un peu important, je vous le dis. Nono, je viens d'arriver, il parlait d'un nouveau MacBook. Alors, ça c'était les rumeurs. Peut-être, mais pour l'instant ils n'en ont pas parlé. Mais effectivement, il y avait des grosses rumeurs sur des annonces de MacBook Pro. On va attendre, hein. La conférence est à mon avis loin d'être finie encore. Enfin loin, je sais pas, mais n'est pas finie en tout cas. Donc, encore un tout petit peu de patience. Pour l'instant, c'est vraiment centré sur le logiciel. Voilà, exactement Léo. Là, c'est le logiciel uniquement. On verra, mais pour l'instant en tout cas, c'est le cas. Loïc, Julien, franchement, j'aime bien ton nouveau format, la première. Bah, merci beaucoup. Ouais, vous aimez bien, moi aussi, comme ça, ça me permet d'être avec vous en même temps, de papoter un peu. Je le fais pas à chaque fois, hein, mais je sais que vous aimez bien. Jessie, enfin, un E3 avec Juju et Carole, bien sûr, le 3 Caro Juju, J-3. Mais demain, c'est le live Battlefield, hein, avec les images. Alors... Loon Knight, après-demain, BF. Tu as raison. Tu as complètement raison. Je regarde mon planning, mais tu as raison. Battlefield, c'est mercredi. Mercredi. Non, demain, demain c'est mon test de Ratchet & Clank. Oh là là, le temps passe tellement vite. Sumimasen, Gomenasai, excusez-moi, voilà, voilà. C'est mercredi, Battlefield. Alors. Ok, donc là, mobilité. Ça regarde un petit peu la manière dont vous marchez, etc. et tout, les risques de chute.
et ça vous évalue, ça fait une évaluation physique. Et comme ça, s'il y a des changements qui peuvent être détectés, des mesures approuvées scientifiquement, nous nous basons sur cela pour vous présenter une nouvelle manière d'évaluer votre risque de chute. Bon. Là, c'est quand même... C'est déjà un peu pour les personnes plus âgées, quand même. Mais il y en a, hein. Et d'ailleurs, il y en a dans la commu, hein. En fait, quand vous marchez, etc., ils calculent votre vitesse, le timing des pas. Et ça permet d'avoir votre équilibre, votre coordination, etc. Alex, il parle de quoi pour évaluer le risque de chute? Ça m'intéresse, je suis en fin de sixième année de médecine, chapeau à toi. Et ben, je te dis, il mesure les pas, l'intensité, la vitesse, le rythme de marche, etc. Et visiblement d'autres éléments scientifiquement approuvés. Et ça montre un petit peu, ça fait une courbe. Et si votre steadiness est basse, bah ça vous prévient. Et ça va vous apprendre aussi comment améliorer votre stabilité. Ok. Oui, et je vous parlerai de Ratchet. Vous inquiétez pas, je vous en parle dès demain. Et pas que demain. J'aurai beaucoup de choses à vous dire. Ryan, Battlefield Reveal, ce sera sur ma chaîne, normalement. Ok, quand vous recevez des résultats pour votre cholestérol, par exemple, et que vous avez un mauvais cholestérol, un niveau trop élevé peut vous mettre à risque cardiaque. C'est vrai. Et en fait, bah, vous avez toute une fiche qui va référencer tout ça. De nombreux changements de santé se produisent, effectivement. Et donc, ils introduisent tendance. Vous aurez un aperçu sur les changements à long terme dans les domaines tels que les pas, la fréquence cardiaque au repos, la glycémie, le sommeil, ou bien plus encore. Ok, comme ça vous pourrez en parler peut-être avec votre docteur pour voir si tout va bien. Ce sont des changements à long terme, effectivement. Ok, donc là, il parle de prendre rendez-vous avec son médecin régulièrement, etc. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, etc. Histoire d'être en forme. Non, je ne me suis pas encore fait vacciner, mais je n'attends que ça, je t'avouerai. J'ai vraiment hâte de me faire vacciner pour pouvoir retrouver une vie normale. Je réponds à la question de Lolo64. Yannick, Julien, parle-nous un jour de tes bracelets, je les adore, je veux les semblables, namasté. Oui, bah alors, bah en fait c'est que des bracelets qui viennent du Japon, avec par exemple ça, c'est une espèce de petite chouette qui vient d'un temple en bois. Ça c'est un bracelet, avec des pierres de lune que Carole m'a offert. C'est le Japon. MicBef59, qui devient membre Insider, bienvenue à toi. Merci le Mediavore, tes streams sont toujours hyper quali après toutes ces années. Je rêverais de pouvoir vous proposer quelque chose de plus quali, là en l'occurrence, avec les images, et qu'on puisse être plus dedans et plus en discuter, mais... Si vous prenez le live en cours, vous l'avez compris, hein, Apple interdit de le faire, il peut striker la chaîne. Donc je respecte. Mais je me suis dit qu'on pourrait le faire comme ça, en discutant, vous le regardez, et puis on réagit, je prends vos questions. Théo Lefebvre, salut mon YouTuber préféré, merci beaucoup Théo, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Franchement, merci, merci hein, pour l'engouement autour de l'E3 Carroju, qui commence dans 3 jours. Mais avant ça, vous le voyez, il y a déjà des lives, il y a déjà des annonces. On est bien, on est ensemble.
Guillermo, c'était une super idée, Julien. Bah écoute, je trouve que ça pourrait être encore mieux, mais vous avez l'air d'apprécier. Donc merci beaucoup, merci beaucoup. Franchement, moi ça me fait chaud au cœur. Je me sens bien accompagné avec vous. Ah, je suis d'accord, ce serait bien, Katagame, que Apple accepte quand même qu'on puisse streamer leur conf. Enfin, je veux dire, quelque part, ce stream est absolument pas sponsor, hein, vous l'aurez bien compris, hein. Mais, bah, ça fait de la visibilité aussi pour ce qu'ils font, quoi. Théo Lefebvre, mais ils n'en ont pas besoin, sûrement. On peut voir les images. Bah, j'aimerais bien aussi, hein. J'aimerais bien. Mais je peux pas. Bon, là, c'est toute la partie santé, c'est plein de petits trucs à activer, pas activer, sur les risques, les alertes cardiaques et autres, etc. Sur le partage des données, évidemment, ultra confidentialisées, bien sûr. Merci Jérôme, hein, super ta vidéo avec AHL, merci. Tu sais à quel point j'aime Alain, et j'étais ravi de pouvoir vous proposer tout cela. Ils sont très excités de voir tout ce qui arrive dans la partie health, donc santé. Allez. Allez, de quoi ça va parler maintenant? L'Apple Watch, maintenant. On parle d'Apple Watch. Alors, j'ai jamais pris l'Apple Watch. Pourtant, je porte une montre. Alors là, techniquement, je ne l'emporte pas. Mais, pour le moment, je me dis que j'ai pas envie d'avoir un énième truc à recharger. Et donc, le jour où ils trouveront un système qui permet d'avoir, je sais pas, une semaine de batterie. Mais je sais que c'est un peu utopique, ce que je dis probablement, hein, mais... Parce que, franchement, déjà, tous les jours, recharger son portable, penser à recharger son ordi, recharger ça... Bon, voilà. Girondin du col de Toggle, je suis le stream avec toi, Julien, en fond sonore. Bah, merci beaucoup. Benoît, E3, pareil, sans images. Non, les images, pour l'E3, t'inquiète. Dommage quand même de pas pouvoir partager ensemble. Je suis d'accord. Non, non. Toutes les confs de l'E3, on les vit avec des images, hein. Rassurez-vous. Ok, donc là, c'est des options de zénitude avec l'Apple Watch. Une animation douce qui vous aide à vous concentrer. Des études montrent que des moments de pleine conscience comme celle-ci peuvent provoquer une augmentation d'émotions positives et un bien-être psychologique général. Les sessions réflexe et respiration se trouvent dans la nouvelle application Mindfulness. Ok, donc c'est pour se zéniser tranquillement. Ah, si je perds les écouteurs, je n'entends plus ce qu'ils disent. La fréquence de respiration. Ok, et donc il trouve que, en fait, généralement, on a à peu près le même rythme de respiration la nuit, et donc s'il y a un changement, c'est que ça indique quelque chose. Et ça, ça va traquer tout ça. Pour des biens de santé, bien sûr. Katagame, je suis pas trop Apple, mais je dois bien avouer que leurs montres sont plutôt sympas. On a tous besoin de zénitude, Anesso. Je suis bien d'accord. Zen, les amis, zen. C'est pour ça que je vous ai fait ce petit décor un peu zen, là. Là, ça part d'arts martiaux et de méditation en mouvement. Il y a un nouvel entraînement de Pilates. Voilà, donc c'est une montre qui vous fait du bien, quoi. C'est ça l'idée, quoi. Eh oui, Théo, ben c'est comme ça, j'y suis pour rien, moi. Hein. Ok, bon, bah là, il montre qu'il y a des cours, vous savez, avec Fitness Plus payant. Vous avez des cours de fitness supplémentaires, etc. Loïc Boitier, franchement, on passe un bon moment ensemble et ce n'est que le début. Ben, clairement. Anso, ta chaîne et celle de Caro font plus de bien qu'une montre Apple, merci pour votre taf. Bah ça me va droit, ton cœur, il est ici mon cœur. Merci beaucoup, franchement, c'est adorable de ta part. On se donne beaucoup, hein, mais vous nous le rendez bien avec votre présence, etc. Donc
Ça fait plaisir. Stéphane, salut au chat, à la Triforce des Modos, et bien sûr un grand salut à Julien, merci. Mais oui, Captain Ishiro, Benji Drake, qui est juste là, qui est juste là. Raphaël Farmer, merci les amis. Merci Théo. Non, ah, d'accord. Ok, donc maintenant, en fait, quand vous prenez des photos, etc., vous pouvez les mettre en portrait sur votre montre et ça crée un petit arrière-fond avec l'horaire, etc. Plutôt joli. Ok, il y a le portrait qui se met par-dessus l'horaire, etc., pour donner un espèce d'effet de petit relief qui est plutôt joli, ouais. L'application de photos des montres a été complètement revue. The McEnroe, le top serait qu'un jour un smartphone puisse te calculer les calories dans le repas que tu manges, etc., par exemple. Mais ça, c'est... Ouais. Mais alors là, bon, c'est vraiment le futur, hein, parce que c'est pas avec une simple photo... Enfin, peut-être, si, un jour. Hein. Mais effectivement, ouais, qu'on puisse bien gérer. Qu'on sache exactement où on en est. Ça nous ferait peut-être plus réfléchir. Moi, le premier, hein, surtout, hein. Parfois, quand je me prends un verre de coca de plus, là, dans ma tête, je fais « Oh, ça va !» Et en fait, ouais, mais 1 plus 1 plus 1... David Galigo, toi et Carole, durant cette année de bip, vous avez été le meilleur des vaccins, en tout cas, et la commu est top, vive la bienveillance. Mais merci pour ton message, David, et merci, la commu, effectivement, vous êtes une communauté en or, ça fait plaisir, merci beaucoup. Ok, donc là... David, s'il te plaît, Julien, réponds-moi, je veux juste une réponse. Est-ce que tu as des nouvelles de Horizon Forbidden West? Ah ben j'en ai pas tous les deux jours. Mais t'as eu une grosse vidéo en exclusivité française sur la chaîne, sur Horizon. Si tu l'as pas vu, vas-y. Mais... j'ai pas des nouvelles infos tous les jours sur Horizon. Enfin, moi j'aimerais bien, hein, mais je peux pas les imaginer, quoi. Mais on en aura peut-être bientôt, hein. Peut-être jeudi. Alors, Draconnexion, les personnes souffrant du trouble d'hypochondrie ne vont pas se sentir mieux avec tous ces trackers de santé. Alors, je suis assez d'accord, en fait. Je trouve qu'à un moment, il faut avoir des infos, ok, sur sa santé, évidemment. Ça, c'est sûr, c'est indispensable. Mais en temps réel de tout, tu peux un peu paniquer, quand même, hein, parfois. Merci, The McEnroe. Mais c'est ça, Stéphane, on est comme des gamins, on attend Noël, hashtag 3 carreaux au jus. 3 jours, 3 jours, les amis. Bon, alors les nouveautés de la WatchOS m'ont pas bluffé des masses, j'avoue. Mais moi, les montres, pour l'instant, connectées, je vois tous les trucs qui sont... C'est très bien, c'est très sympa, mais... Je suis pas encore complètement bluffé. Donc là maintenant, excusez-moi, j'ai baillé de ouf. Il y a eu un petit moment. Est-ce que je me suis gardé encore un petit peu d'eau? Oui. Mon Benoob qui est là, avec les dents de sagesse en moins. Ça va être le feu. Bah moi j'ai encore ma dent qui m'attend. Ça fait plus de 6 mois que je suis dessus. Interminable cette histoire. Je suis avec toi, mon Benoob. Donc là, on va parler de la maison. Donc de la maison connectée. Ce qu'ils ont, Skyzone, je peux pas, les images d'Apple l'interdit. Donc voilà. Mais je vais leur demander s'ils peuvent pas faire une petite dérogation. Donc, ok, donc bientôt, là, on va pouvoir dire à Siri, on va lui demander les programmes télé sur l'Apple TV, ce sera connecté, etc. Et on pourra lancer ces programmes à la voix. En fait, je devais dire un truc tout bête, mais j'avais l'impression qu'on pouvait pas le faire déjà. Parce que ça m'aurait paru être un peu la base de Siri, mais visiblement non.
Ok, donc là il rappelle qu'on peut partager les films, etc. Pour regarder, pardon, les séries en même temps ou les films ensemble. Dubar Michael, Horizon est beau, mais juste beau, saura-t-il donner envie d'avancer dans l'aventure grâce à l'histoire? Je sais pas ce qu'il te faut, hein, mais... Alors déjà, il est magnifique, oui. Et ensuite, je sais pas, moi le premier, j'ai adoré son histoire, j'ai adoré son gameplay, j'ai adoré l'exploration, etc. Donc je vois pas pourquoi soudainement ça deviendrait nul. Merci, Skyzone, bonne nuit. Bonne nuit. Voilà, j'ai une crise de bâillement. Voilà, c'est bravo, c'est du beau. Donc là, maintenant, il parle des iPods mini. Vous en avez, vous, des iPods mini? Est-ce que vous trouvez que le son est bon? C'est bon ou pas? Parce qu'ils sont pas très gros, alors je me dis le son est peut-être pas... manque peut-être un petit peu d'ampleur. Dites-moi. Moyen, dit Léo. HomePod, oui, j'ai dit iPod, excusez-moi. HomePod mini. C'est le bâillement. J'ai un HomePod classique, très sympa. HomePod, pas iPod. Oui, je suis désolé. Vous savez, au bout d'un moment. Très bon produit. Ok. Perso, j'ai une Google Home Audio. Ça marche bien en vrai, dit Benoît. Il faut que je me repose. Oui, il faut que je me repose. Mais oh, on peut pas. Si je me repose, il n'y a pas d'autre carreau au jeu, les amis. Donc on se reposera après, avec grand plaisir. Ça manque un peu de puissance. Ok. Ok, donc il parle des accessoires maintenant avec les HomePod. Merci Darkos. Lucky, tu dis que le son est top. Jababa, le mieux c'est une dévialée fantôme. Ah ouais, mais alors le prix est dingue. Et surtout, les dévialées, il n'y a pas un problème avec le Bluetooth ou je sais pas quoi, ou pour le connecter à sa télé et tout ça? Je dis pas que c'est pas possible, hein, mais je dis qu'apparemment c'est pas si simple que ça. Mais c'est ça, Théo. Moi, je suis excité là à l'approche de l'E3. Donc, ok, avec HomeKit, la sonnette, vous voyez ce qui se passe, etc. Moi, ça, je trouve que c'est. Ah ouais, on peut même voir la caméra. Mais moi, je trouve que c'est un peu la micro-surveillance, un peu flippant. Ah, Jules, il est pas dingue de dévialet par rapport au prix. Ah bah, c'est sûr que le prix, je crois que c'est 4000 euros ou un truc comme ça. Jababa, non, pas de problème, tu peux la brancher en jack numérique, la dévialet. Ok. Oui, mais si t'as deux enceintes, comment tu fais pour avoir le double de son? Et si sur ta truc, il n'y a pas de sortie jack? Sur ma télé, par exemple, je crois pas qu'il y ait de sortie jack. En vrai. Donc je pourrais pas. Ok, là on arrive sur la fin de la partie maison. Donc, s'il y a la rumeur évoquée, etc., des trucs de MacBook, bah ça va être à peu près... Pas tout de suite parce que là, a priori, ça va parler de voiture. Mais c'est après. Ah, macOS. macOS, donc on se rapproche des Mac là quand même. Donc là, macOS Big Sur, c'est ce qui existe actuellement. Donc avec le nouveau design. La fameuse puce M1, qui effectivement a des niveaux de performance qui sont assez ouf, hein. Ok. Donc la nouvelle version. Comment ça va s'appeler? L'exploit de la team marketing. Donc.
Donc c'est macOS Monterey. Donc, alors, les nouvelles fonctionnalités. Donc tout ce dont on a parlé depuis tout à l'heure, le FaceTime, etc., ça marche. Donc avec, vous savez, le petit mode portrait. Regardez les films en commun. Focus. Bon, alors tout ce qu'on avait dit depuis le début, etc., évidemment, vous le retrouvez dans macOS Monterey, bien sûr. Quick Note, Note. Voilà, ok. Mais c'est quoi les vraies nouveautés? Enfin, les vraies nouveautés. Ce sont des vraies nouveautés, mais par rapport à ce que vous avez dit au début. Alors. Voilà, donc il raconte à quel point, avec la continuité, ce qui est important, c'est d'avoir tous les appareils Apple. Voilà, comme ça vous permet d'en tirer le meilleur. Alors, avec une seule souris et clavier pour passer de votre Mac et votre iPad. Universal Control. Mais ça, il l'avait déjà dit, ça. Bah attends, il nous l'avait pas déjà montré, ça. Donc en fait, vous avez le Mac d'un côté. Attendez, là, il y a un Mac blanc. Non? À moins que ce soit le reflet de l'acier, mais j'ai l'impression qu'il est tout blanc. Ouais, pas sûr. Ok, vous posez votre Mac et votre iPad à côté. Quand vous passez la souris, ça passe de l'un à l'autre. Ouais. Ça crée un deuxième écran, quoi. Simplement avec le clavier et le trackpad sur son iMac. Sur son Mac. Ok, donc ça devient vraiment un deuxième écran, quoi. Bah ça, c'est plutôt cool si vous avez déjà un Mac et un iPad, effectivement, ça vous fait un deuxième écran directement. Ouais, c'est pas mal. Et on peut ajouter l'iMac. Ça, effectivement, pour le montage, celle de table, ça peut être très très cool. Bah disons que je vois des gens qui disent « C'est pas moins cher, juste un deuxième écran, je dis ça, machin. » Bah oui, mais si t'as déjà, en fait, parce que t'as l'usage d'un iPad et d'un Mac, t'as pas besoin d'acheter justement un deuxième écran. Et quand même, ton écran, généralement, tu le trimbales pas, il faut un câble et tout, alors que ton iPad, tu peux te le trimballer. Nathalie Capitaine. Alors, la conférence, on la vit comme ça, en mode chill. Mais le replay de cette émission sera disponible, bien sûr. Moi, je trouve que c'est plutôt classe, ça. AirPlay to Mac. Alors c'est quoi ça? Ok, tu dessines un truc sur un iPad, etc. Et tu peux le balancer directement. Ok. D'accord, par exemple tu peux utiliser les enceintes de l'iMac pour balancer ton son de l'iPad, de l'iPhone. Ok, c'est vraiment la manière... Ils veulent vraiment relier fortement tous les appareils, et encore plus fortement que par le passé.
Je prends un peu vos commentaires. Salut, Exipog. Loïs, tu veux suivre le live de Julien et la conf Apple en même temps, prends un Mac et un iPad, c'est automatique. Effectivement, tout à fait. Florent, est-ce qu'on va avoir un potentiel nouvel iPhone? Je pense pas aujourd'hui. Sûrement en septembre. Et maintenant, on peut automatiser plein de tâches pour améliorer sa productivité avec des raccourcis préconçus. Et vous pouvez... Il y a l'éditeur de raccourcis. Par exemple, si vous êtes un designer, mettez-vous directement au travail avec un raccourci qui ouvre Pinterest dans une fenêtre, Affini Photo dans une autre, et qui démarre votre liste de lecture préférée sur Apple Music, en un clic. Nous avons intégré raccourcis. Vous puissiez les utiliser. Ok. Ça peut être cool. Bon, enfin, il y avait déjà des raccourcis, hein, mais là, ils ont l'air de le pousser un petit peu plus loin encore. Voilà, avant c'était Automator, là c'était un espèce de petit robot, et là maintenant ça s'appelle Raccourci. Ah oui, Jababa, un seul écran comme le Odyssey G9 de Samsung suffit. Tu m'étonnes, il a l'air dingue cet écran là, gigantesque. Je vais voir si je peux pas essayer de le tester. Pour regarder. Mais même pour moi, ça pourrait m'intéresser de voir un peu, parce que pour l'instant, j'ai deux écrans, parfois je mets mon Mac à côté. Là, je pourrais avoir un seul, ça pourrait être pas mal. Mais j'ai peur que ça prenne trop de place. Ok, ça parle de la puce M1. Bon, globalement quand même, pour l'instant... Il n'y aura pas eu, on va dire, de fonctionnalités bouleversantes ajoutées. Cela dit, les raccourcis, ça peut être très utile. Ok, ils ont redesigné encore Safari. J'ai l'impression qu'ils le redesignent à chaque fois. Je te jure, j'ai l'impression qu'il est redesign à chaque fois. Pour gagner encore plus d'espace. Donc un nouvel onglet pour Safari. Enfin, une nouvelle manière de présenter les onglets. Donc on peut voir plus de la page. Effectivement, la barre d'adresse est plus petite et les onglets se mettent sur le côté. C'est vrai que c'est assez joli. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, tu as quand même une barre qui est à peu près grande comme ça. Tu peux la faire disparaître, mais... Ok, chaque groupe, c'est... Ok, bon. Par contre, je suis vraiment complètement fan des nouveaux iMac. Hein. Je les trouve, mais tellement beaux, tellement fins, tellement colorés. Ouais. Ok, quand tu fais des modifications à tes tables, etc., sur ton ordinateur portable, tu l'as sur ton ordinateur de salon. Ça se fait en temps réel. Voilà, ça se met à jour directement. Et on peut faire des groupes d'onglets et les importer directement dans un mail, par exemple, ce qui peut être pratique. «
Ok, donc là, vraiment une fois de plus, passer de l'un à l'autre. Ça s'appelle les tab groups. Bon, ça c'est pratique. Et effectivement, le petit redesign est assez sympathique. Voilà, hein, Cladeus, tu avais raison, le MacBook Pro est blanc, donc nouveau. Alors, on est d'accord qu'il n'a pas l'air d'être en argent. Et l'iPad était blanc, l'iMac est blanc, et il est exactement la même couleur que... Un peu bizarre, non? À mon avis, c'est peut-être une nouvelle couleur. Benoît, il dit il est gris. C'est possible aussi, hein, avec les couleurs, bon... Mais c'est vrai que c'est... Alors après, quand je vois, il y a Kawabenga qui dit les tabs, encore une fois, une fonctionnalité Google. Alors c'est certain qu'Apple va puiser ailleurs. Tout comme les autres vont puiser chez Apple, objectivement. Hein. Et alors, violemment, Android quand même. La création d'Android, si c'est pas une réaction à iOS, je sais pas ce que c'est. Donc en vérité, je sais pas qui copie, qui dans l'histoire globale aura le plus copié l'autre. Mais bon, on va dire c'est des inspirations, quoi. Donc voilà. Bon, bah, il faut gros focus sur Safari, etc. Ok, bon, alors le redesign est très sympa, franchement. Le truc des onglets, c'est plutôt cool. J'aurais aimé qu'ils parlent de vitesse aussi, parce que pour moi, c'est quand même un aspect très important. Est-ce qu'ils en parlent? Non, ils en parlent pas trop, hein, à ce niveau-là. Bon, bah oui, là c'est quand même des petites améliorations sympathiques, mais... Pour l'instant, je trouve qu'on est plus sur une année de transition qu'une année de bouleversement. Alors... Ah, attendez. Là, ça parle de macOS sur logiciel. Est-ce qu'on va pas avoir une... Les développeurs technologies. Les nouvelles fonctionnalités de développeurs. Ok, donc là, ça s'adresse vraiment aux devs pour comment faire pour encore améliorer, eh bien, pour les développeurs, la création d'applications dans l'écosystème Apple. Donc bah oui, hein, je rappelle qu'on est dans le cadre de la WWDC 21, donc c'est vraiment à l'adresse des développeurs. Alors d'habitude, ils se retrouvent hein, au même endroit. Cette année, c'est un petit peu différent, puisque vous savez, la situation, vous la connaissez. Alors Pierre Jupin qui dit « Faux raccord, son pantalon n'est pas mouillé ». Tout à fait, il était mouillé dans l'eau, puis après il n'était pas mouillé. Mais attends, c'est la magie, il a séché instantanément. Mais je trouve que leur mise en scène est quand même plutôt cool à chaque fois. Mine, je suis assez d'accord avec toi, Mine Loïc. Le mot de cette conférence, c'est « to be more productive », soyons plus productifs. Ouais, c'est enlever des petits goulets d'étranglement de ci, de là, avec des automatisations et autres. Avoir accès à ces applications plus rapidement. Bosser plus, quoi! Encore! On veut aussi un peu de vacances. Deux, trois moments, quand même. Eloi, merci pour ta réponse à propos de ma chimiothérapie. La dernière fois, je l'ai montré à mes parents, ils ont été très émus. Ils avaient les larmes aux yeux, merci beaucoup. Bah Eloi, je t'envoie une fois de plus hein, vraiment mes meilleures pensées, fortes et sincères, comme à toutes celles et tous ceux qui actuellement traversent des moments qui peuvent être pas forcément évidents. Vous savez, même derrière mon sourire, parfois, il y a des moments, c'est plus complexe que d'autres. Je pense que, comme tout le monde, hein, on a des hauts, on a des bas. Et bah, quand on est en haut, il faut savoir donner un petit peu d'énergie à ceux qui sont peut-être pas dans leur meilleur moment. Donc, je pense fort à vous, les amis. Et merci en tout cas de votre soutien, de votre fidélité. Parce que ça, c'est de l'énergie que vous me donnez au quotidien pour continuer, vraiment. Donc, on envoie des bonnes pensées, des petits cœurs à Eloi.
Pour l'instant, il parle un petit peu de réalité augmentée, mais pas du tout ambiance gaming. Hein. Sinon, évidemment, je vous en parlerai. Mine. Oui, je disais cela en pointant ce côté... Ah, c'est passé trop vite. Ce côté produire toujours plus notre fameuse fuite vers l'avant, vers la croissance. Oui, complètement. Et oui. Après, je trouve... Alors, c'est comme tout, hein. Pousser trop loin, c'est excessif. Et l'excès, c'est pas bon. Mais à la fois, je trouve que l'humain a toujours eu envie de plus. Découvrir un nouveau territoire, un nouveau pays, qu'est-ce qu'il y a derrière cet océan, d'en faire plus, un peu. Moi, je sais que sur ma chaîne, j'ai envie de vous faire des choses un petit peu mieux, etc., toujours un peu plus. Donc c'est pas toujours négatif. Mais il faut savoir effectivement mettre le curseur et trouver le bon équilibre. Ce qui n'est pas toujours simple, hein. Moi-même, parfois, il peut m'arriver peut-être d'être un petit peu trop, etc. Mais c'est pas simple, hein. Mais après, moi j'ai cette chance d'être passionné vraiment par ce que je fais, et vous me permettez de le faire et de le continuer, donc... Bon là, ça parle vraiment pour les développeurs pour l'instant, donc je prends un petit peu vos questions... Loïc, merci d'être là ce soir, Juju, tu me permets de m'évader, alors je suis en train de me séparer ce soir. Ah ouais, alors là, effectivement, là, pareil, hein, je t'envoie mes meilleures ondes. Change-toi les idées, là. Allez, profite un peu. Mais oui, Ladj, on est entre passionnés et c'est top. Bah, tout à fait. Tout à fait. Et c'est ça qui est cool. On est tous ensemble. Getter, le prochain jeu de Playdead. Je sais pas du tout quand est-ce qu'il sort, on sait qu'ils sont en train de travailler. Jonathan, Radio Julien, libre antenne. Bah là, c'est un peu de la radio, en fait, puisqu'il n'y a pas d'image, vraiment. Donc, mais ça peut être un concept, hein, où je vous parle comme ça, directement. Ça fait longtemps que je pense à un truc un peu comme ça. Ouais, je sais, Loïc, hein. J'imagine. Bah, la semaine qui arrive, là, va te permettre de te changer un peu les idées. Et je sais que c'est pas facile. Mais oui, Matt Klein, hop, ça fait plaisir de te voir, Matt Klein. J'espère que tu vas bien. Alors là, on est sur un live un peu particulier, hein, parce qu'on est sur un live sans image, hein. C'est complètement expérimental, mais c'est parce qu'Apple interdit la diffusion directement des images. Alors j'ai bien vu hein, que parfois certains arrivent à tricher un peu en mettant l'image floppée arrière, machin. Moi j'aimerais plutôt le faire proprement et donc demander l'autorisation. Je suis peut-être très très naïf à Apple, hein, mais bon, bah on verra. On verra ce que cela pourra donner peut-être à l'avenir. Je vous tiendrai évidemment au courant. Mais je vois qu'au final, bah ça vous plaît quand même aussi un peu. Dans le fond. Vous adhérez un peu quand même, donc c'est plutôt sympa. Oui, c'est vrai, Guillermo, c'était bien rien que pour les plans en 3D, qui étaient magnifiques. Vraiment magnifiques. C'est vrai que ça change, Yadou. Je suis super d'accord, ça change. Mais c'est quand même pas optimal, franchement. Avouez. Même moi, je trouve que c'est pas optimal, vraiment. Mais je vais essayer de faire en sorte que ça puisse être mieux à l'avenir. Ah bah, Mamo, toi, t'adores. Bah écoute, bah je suis ravi, alors. Très jolie, cette formulation, Arnaud. C'est en podcast. Et ouais, on est entre potes, tranquille. On se le caste. Seb, le format est sympa, c'est un lieu communautaire, donc top. Il y en a plus tellement si tu enlèves les réseaux sociaux formatés. Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que à chaque fois que vous venez sur une de mes émissions, vous êtes avec la commu, et c'est toujours le moyen de passer un agréable moment ensemble. Voilà. Qu'est-ce qui se serait passé si je l'avais pas fait comme ça? Bah, je l'aurais regardé de mon côté, vous l'auriez regardé de votre côté, tout seul. Alors que là, on vit le moment ensemble. C'est pas optimal pour un sou, j'en conviens.
En Pomcast, encore mieux, Olip. Ouais, Thierry Fromentin. Fais un sondage pour savoir si ce genre de live plaît. Bah, je vous le demande là. Mettez-moi un pouce comme ça si vous trouvez ça cool. Un pouce comme ça si vous trouvez ça nul. Bon, a priori, si vous trouvez ça nul, vous êtes plus là, mais... Bon, alors, est-ce qu'il va y avoir un petit one more thing quand même de derrière les fagots? Bah, visiblement, ça vous plaît. Rassurez-vous, hein. Ce qui est sûr et certain, c'est que les lives de base de la chaîne ne seront pas comme ça. Hein. Rassurez-vous, je sais pas si vous êtes inquiet ou je sais pas quoi, mais... Mais en tout cas, non, mais clairement... Les lives classiques de la chaîne vont revenir, évidemment. Oh, je vois que là, il y en a de plus en plus qui utilisent les membres Insider, rappelez-vous, hein. Vous avez les nouveaux emojis spéciaux. Spéciaux, du coup, mais ils sont spéciaux, mais c'est pour la spéciale de l'E3. Merci, Denis. Nicolas Robert, le format est génial, la communauté est géniale, mais il est vrai qu'avec des images, ce serait parfait autant que peut l'être la chaîne. Merci beaucoup. Regardez, au Philippot, s'il vous met les différents petits emojis. Ouais, Nicolas Perret, le 3 Carjou avec Epona, Loïc. Ouais, bah le format est cool, et il manque juste l'image, quoi. Donc, ça ne pourra être que meilleur. Bon, là, ça parle vraiment pour les développeurs. Hein. C'est pour ça que je suis un petit peu avec vous, et moi, ça me fait plaisir. Mine, cela serait intéressant de limiter les sorties hardware à tous les X années. Nous n'aurions que des améliorations software tout de même intéressantes pour le consommateur, et ce serait plus éco-responsable. Alors, moi, je trouve que c'est très juste. On n'a pas besoin d'avoir un nouveau hardware, téléphone, smartphone et autres, tous les ans, forcément. Ne serait-ce que si c'était tous les 3 ans. En fait, c'est pour... comme le monde des consoles, en fait. Eh ben, ça permettrait déjà d'avoir des avancées un peu plus importantes, et le software pourrait prendre la relève à chaque fois. Et effectivement, en termes de ressources de la planète, puis toutes les histoires de pénurie... Machin... Après, c'est toujours un peu complexe, parce que la personne qui n'avait pas acheté le modèle et qui a attendu 3 ans, du coup, il a un truc qui est un peu plus vieux, mais enfin... Bon, c'est des grandes questions... Est-ce qu'un jour, par exemple, il y a une grosse boîte, comme un Apple, qui va dire « Bah nous, on pense beaucoup à l'écologie, parce qu'ils en parlent très fréquemment quand même, et donc on a décidé de ne plus sortir d'iPhone tous les ans. » Voilà. Mais la prochaine fois, ce sera dans 3 ans. Mais en attendant, on va mettre à jour le software, etc. Alors là, on est de retour avec les emojis. Donc on est de retour surtout avec Tim Cook. Alors, s'il y a un one more thing, c'est maintenant, ou jamais. On va voir. Donc là, il est en train de faire un grand résumé, pas gagné pour le one more thing. Donc iOS, iPadOS, WatchOS, TVOS, macOS. Donc les bêtas de tout ça, c'est dès aujourd'hui pour les développeurs. Et une bêta publique le mois prochain. Et ce sera disponible cet automne. Donc, quand il y aura les nouveaux iPhones, etc. Évidemment. Je sens pas forcément qu'il prend le chemin du One More Thing, là. Ouais. Il y aura pas les MacBooks, etc. Il fait le grand résumé. Il nous remercie. Passons une excellente semaine. Et bien voilà, c'est fini. Il n'y a pas de one more thing. En tout cas, et ça s'arrête là, maintenant, tout de suite, boum. Ben voilà, on aura pu vivre tout cela ensemble. J'espère aussi, Julien E, qu'on aura des one more thing à l'E3 Carreau Jus.
Ouais. Bon, alors, ce que je peux vous dire là maintenant tout de suite, c'est le petit planning des prochains jours, puisque vous le voyez, nous sommes à J-3 de l'E3 Carreau Jus. Donc, demain, attendez, on va faire un truc, on va se faire plaisir, on va mettre des images, parce que maintenant on a le droit, parce que c'est fini Apple, donc on a le droit de... Ratchet and Clank, boum, parce que ça on a le droit. Attendez. Hop là. Voilà. Ah, ça fait plaisir de retrouver des images. Quand même. Mais je vais le mettre mieux. Parce que ça fait plaisir, mais... Donc, demain, ce mardi, je vais vous donner mon verdict sur Ratchet & Clank Rift Apart sur PlayStation 5, les amis. Puisque j'ai eu la chance de pouvoir y jouer depuis un bon bout de temps maintenant, j'ai fini le jeu. Donc, bah, comme dans tous mes tests, hein, bien évidemment, à chaque fois, il y aura les forces et les faiblesses potentielles du titre. Est-ce qu'il y aura que des forces? Est-ce qu'il y aura que des faiblesses? Est-ce qu'il y aura plus de forces, moins de faiblesses, plus de faiblesses, moins de forces? Bah écoutez, vous verrez bien demain, sur la chaîne en tout cas, puisque je pourrais vous parler de tout cela. Mais il n'y aura pas que ça, non. On va se retrouver aussi peut-être pour une petite conférence dans la foulée en fin de journée, tout à fait potentiellement. Donc je vous laisse la surprise demain, et mercredi 9, à un jour du début de l'E3, eh bien, Battlefield 6. Je regarde là-bas parce que j'ai mon planning. Hein. Battlefield 6, on vivra le reveal tous ensemble, ici même, tous ensemble, ouais. Alors à quoi ça va ressembler? On verra bien. Quel est le cadre historique? Ancien, moderne, super moderne, moyen moderne... contemporain, ultra ancien, des chevaliers, je raconte n'importe quoi, enfin j'en sais rien, on verra bien. Ça, ce sera demain à vivre en direct. Merci Benji Drek qui vous met aussi les dernières attentes avec l'ami AHL. Si vous l'avez manqué, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. C'est un truc de dingue, hein. La conférence Apple se finit, vous arrivez, vous êtes de plus en plus nombreux. C'est parce qu'on met des images. Merci, enfin des images. Apple, faut vraiment changer ce système, là, c'est pas possible. Donc, BF6, et c'est pas tout. Normalement, je vous le dis là, sous le sceau pour l'instant du semi-secret, mais mercredi soir, on devrait avoir, vivre ensemble, une très grosse émission. L'espèce de pré-show de l'E3, avec des invités sur la chaîne. Donc, j'espère que ça vous fera plaisir. Ça me ferait grand plaisir que vous soyez avec nous, les amis. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire. Bon, quelques petites nouveautés, mais objectivement, rien de complètement tonitruant, franchement, hein, de cette conférence Apple. Tiens, je vais remettre un petit peu d'image un petit peu plus spectaculaire, un petit peu plus loin, tiens, voilà, hop là, boum. Dites-moi un petit peu dans le chat, avant qu'on conclue, ce que vous en avez pensé. Ça a été quoi votre perception de ce moment? Dites-moi aussi un peu ce que vous avez pensé de ce format de live qui, très sincèrement, ne se reproduira pas très souvent. Je préfère vous prévenir. Parce que moi, j'avais envie de vivre le moment avec vous parce que je savais que j'allais le regarder. Mais, entre nous, c'est pas ce que je préfère. Ce que je préfère, c'est quand même pouvoir regarder les images, débattre avec vous, etc. quoi. Donc, voilà. Nas, j'ai kiffé le FaceTime SharePlay. Ouais, effectivement, à plusieurs, ça peut être assez sympa. Mettre des petits effets de portrait, etc. Mais dis-moi ce que t'en penses, Nas. Il n'y a pas eu... Il y a eu des annonces, plein de petits affinages, saupoudrés comme ça, mais... sympa pour ceux qui ont un Mac et un iPad, de pouvoir aussi avoir un deuxième écran et autres. Ça, c'est plutôt cool. Mais c'était pas non plus complètement délirant. Alexandra, toujours de super qualité. Merci, Julien. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Il y a vraiment des gens qui utilisent FaceTime, dit Lanfear. Eh bien, écoute, moi, ma famille, la famille de Carole, avec des potes, avec nos familles, globalement, plusieurs fois par semaine. Donc oui, je te confirme, ça marche très bien, et nous, on aime beaucoup, voilà. Pour faire un petit FaceTime, justement, en famille, montrer bébé, etc. Dans une période où on peut pas trop se déplacer, Saro FaceTime à fond, voilà. The McEnroe, tous les jours FaceTime. Donc tu vois, oui, il y a plein de gens qui utilisent FaceTime. Des gens bien, des gens normaux. Ok, voilà. Moi, franchement, FaceTime, c'est l'un des trucs que j'utilise le plus. Enfin, le plus. En tout cas, j'utilise, franchement, je pense que j'utilise peut-être plus FaceTime que le téléphone à proprement parler. En vrai, je me rends compte.
Pascal, ça manque d'images, certes, mais ça reste un très bon live, Julien. Bah, merci beaucoup, merci. Sébastien, ce format était top, mais la conférence était bof. Julien, toi au top, mais bof le format à cause de Apple. Eh oui, je sais, mais je suis désolé. Benji Drake, FaceTime aussi pour appeler ma famille quand je suis de garde. Bah, totalement. Bah oui, quand, je pense qu'en plus, quand tu deviens parent, encore plus pour voir ton bébé alors que t'es pas là, etc. Florian, salut Julien, merci pour ce que tu fais chaque jour. Penses-tu que l'on aura une manette Elite Xbox 3, peut-être à la manière PS5? C'est possible, hein, rappelez-vous, Xbox qui a pris un peu la température pour savoir si les gens aimaient bien les laptiques, les gâchettes adaptatives, donc pourquoi pas, ouais. Merci beaucoup Vincent, McEnroe, The McEnroe, merci aussi, Marco Eco Plus. Merci, t'es le son, Juju, bah merci, merci à toi, ça fait plaisir. Bah, si vous avez passé un bon moment, moi c'est tout ce qui m'importe en vérité, hein, c'est qu'on soit bien ensemble. Et a priori, la chaîne, tout va bien, hein, donc on a respecté le truc un peu chiantouillis là, de Apple, de ne pas autoriser les photos, mais les photos, les vidéos. Mais, et le décor était cosy, bah oui, franchement, petit décor cosy. Attendez, même l'équipe TV fait ça pour les matchs de foot, donc je me suis dit, bah, faisons-le pour Apple, hein, voilà. Et ben, les nouveaux Mac, on sait pas, Lossine. Il n'y a pas eu, il y avait beaucoup de rumeurs, mais il n'y a pas eu ces informations-là à ce sujet. Voilà, en tout cas, eh bien, ce que je pouvais vous dire, là, maintenant, tout de suite, pour vivre ensemble cet événement à 3 jours de l'E3 Car au jus, ben, je vais vous remercier infiniment. Benji Drake, merci beaucoup. Hugo, merci. Le Grand Joker aussi. Tous les insiders, je vous le rappelle une dernière fois si vous avez pris le live en cours, mais vous avez accès désormais, d'ores et déjà, maintenant, là, tout de suite, eh bien, à plein de nouveaux emojis spéciaux E3 Car au jus. Donc vous pouvez les utiliser comme David, regardez, le logo est là, il y a Epona, il y a du Carole, il y a du moi avec plein de petites têtes différentes, etc. Donc merci beaucoup, je vois qu'il y a beaucoup de Julien, donc merci. Merci au Julien, merci Léo Spider, The McEnroe, Dylan, Saro, Spidey Seb, Ophilippos. Regardez les insiders qui vous montrent un petit peu les différents emojis qui sont disponibles pour eux, ça fait partie des petits avantages des insiders. Il y a plein de petits avantages, des vidéos en avant-première, il y a eu beaucoup de vidéos en avant-première dernièrement. Et là, eh bien des emojis aussi, pour que la fête soit encore plus folle. Gros bisous Spidey, Saro, Car, Pascal, Fred, Ptio et Flo, qui étaient sur la chaîne de Carole tout à l'heure, Vincent, Tom, Imen, Niava, Mitsu, Paul, Michael, BD, Sébastien, Choupinateur, Mister Uka, Samy, Loïc, Mathieu, Flo, Shred, Valentin, Jababa, Xenox, Stéphane, Benji Drake, évidemment, Benji Drake, Franck, David, Joël, Nicolas, Noah, Kinsui, Tonton, Cyril P, Fred, Philippos, Sokitana, le Grand Joker, Caramelito, Jonathan, John Guzman, Romali, Tan, Jinja, Lionel, Kakris, Wenata, Antoine, Michel, Sarthe, Anto, Suppo et Dark Louise. Merci à toutes et à tous. À très bientôt, les amis, pour le reste de l'actualité du JV. Ça ne s'arrête pas, ça continue grâce à vous. Allez, à très bientôt et vive notre passion du jeu vidéo. Ciao! Et encore un énorme merci d'avoir été avec moi pour ce live nouvelle génération un peu particulier, mais merci à vous. À très bientôt !